Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi 5 novembre 2022. Il est tout juste 8h, nous serons ensemble jusqu'à 10h du matin. Mina est parmi nous comme d'habitude. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Il a bien plu hier, hein? Ah oui, c'était un plaisir. Ah, c'était un plaisir. Un plaisir. En tout cas, le chant de la pluie. Le chant de la pluie. Le chant de la pluie nous a bien bercé. L'odeur de la terre mouillée. Exactement. Mais c'était très rapide. Hein. C'était très rapide. Malheureusement, c'était très rapide. Oui. C'était très rapide. Mais ça nous a fait du bien quand même. Ça nous a fait du bien. Voilà. Ben, j'espère retour à la pluie très bientôt. On espère. On espère. On espère. Voilà. Sinon, ça se passe bien. Très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet très, très, très intéressant du moment qu'on va parler aujourd'hui du patrimoine subaquatique. C'est bien, voilà, du patrimoine subaquatique. Et bien, tout simplement, l'UNESCO a initié ou a lancé une expédition qui a duré 14 jours. 8 pays, 8 archéologues qui sont venus de 8 pays ont participé à cette expédition justement en Méditerranée pour cartographier et pour faire un inventaire et voir aussi l'état de conservation de ce qu'on appelle aujourd'hui le cimetière des bateaux. Ah, c'est génial ça. Eh ben voilà, parce que quand même, il y a eu découverte de plusieurs bateaux qui ont échoué au niveau de la Méditerranée durant 3000 ans, mine de rien. Bah, j'espère qu'on aura des images. Certainement, en tout cas, il y a de très 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 belles images qui sont déjà publiées au niveau de l'UNESCO, parce que les archéologues ont commencé déjà à mettre en valeur et à publier surtout les recherches. L'un des archéologues est algérien qui a pris part à cette expédition. Il sera parmi nous ce matin pour nous rendre compte un petit peu de cette belle expédition. C'est parfait. Voilà, Sédéra Hajamal restera aussi dans la même lancée, on va dire, dans le même sujet. Elle va aussi s'intéresser au patrimoine subaquatique, mais le patrimoine subaquatique qui est propre à l'Algérie. Cette fois-ci, elle reviendra donc sur l'importance de cartographier, encore une fois, de faire l'inventaire de tout ce que nous avons comme patrimoine subaquatique en Algérie. Donc ça, c'est du côté un petit peu de la science, de l'archéologie. Nous parlerons également de culture. Ce matin, un entrepreneur sera parmi nous ce matin qui a lancé une start-up culturelle, d'ailleurs, qui fait la promotion de la culture. Et oui, bah, les start-up aujourd'hui activent pratiquement dans tous les domaines et ça a des retombées économiques très importantes. Surtout, nous parlerons également de sculpture puisque nous aurons un artiste sculpteur parmi nous ce matin. Nous terminerons l'émission avec une actualité musicale qui va se dérouler du côté de Blinda. Ah oui? Oui. C'est quoi? On verra après. On va et ben, nous aurons un musicien, artiste, chanteur qui sera parmi nous. Il reviendra sur cette actualité musicale. Ça te va comme programme? Très bien, un petit peu de tout, c'est parfait. Voilà, un petit peu de tout. On remercie, comme à chaque fois, Amal Halmi qui a bien pensé notre feuille de route aujourd'hui. Merci, et voilà, et donc avant de commencer, comme à l'accoutumée, quelques nouvelles du ciel pour aujourd'hui? Oui. Allez, on y va, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Alors, retour du soleil finalement? Oui, retour du soleil. Retour du soleil, retour de la chaleur aussi? Non. Non. Donc des températures? On espère que non, mais pour le moment non. On appréhende. Hein, on appréhende, oui, on appréhende. Même ceux qui aiment beaucoup les temps chauds comme moi appréhendent la chaleur en ce moment. Non, pas en ce moment, non, c'est bon. Normalement, c'est fini. Donc, des températures plutôt en baisse. Des températures toujours en baisse, oui. Mm-hmm. Surtout à l'est, oui. À l'est, ça baisse. Ça baisse pour aujourd'hui. D'accord. Parce que les pluies continuent. Hein. Ça ne continue pas au centre, pas à Alger. Au centre. Mais à l'est, ça va continuer aujourd'hui. Voilà, le plus important, c'est que ça pleuve. Exactement. Allez. Un peu plus de détails, Mina? On va essayer. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup, Noël. Rebonjour à tous. Excellent réveil. De la brume, comme d'habitude, ce matin sur les côtes ouest et centre, avec un ciel passagèrement nuageux tout au long de la journée. Nuageux toujours vers la partie est, notamment vers les côtes, avec toujours des pluies en journée sur les régions sahariennes. Le soleil restera dominant tout au long de la journée du Nord Sahara vers l'extrême sud en passant par la Saoura, le sud-ouest, le Hogar et le Tassili. Et puis, on entrera bien sûr de fréquence sous la mont de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on entrera sur la moitié nord, un minimum de 15 degrés. À Batna, on entrera à 20 degrés. Du côté de Annaba, 24 degrés. À Alger, on entrera à 20 à Tizi Ouzou, 19 degrés. À Tiaret, Chlefrilizen, ainsi qu'à Al-Bayad et Naama, 25 degrés. Gardaïa, 27, Hassim Saoud. Ilizi, on entrera à 22 degrés. À Djanet, 25, Tanra 7 et enfin 34 degrés pour l'extrême sud.
On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On entrera une mer toujours très agitée vers les côtes est, agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 10 et 20 km/h. Vers les côtes ouest, entre 20 et 30 km/h sur le centre. Et enfin, entre 50 jusqu'à 60 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. On entre un petit peu de tout. Un ciel voilé à Istanbul, Rome ou encore Berlin, des nuages à Paris, Vienne, des pluies à Londres. Et puis côté température, on entre à 20 degrés à Rome, 13 à Paris, 14 à Londres, 18 à Madrid, 21 degrés à Lisbonne et enfin 2 degrés seulement à Moscou. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. Donc des températures plutôt stables sur le centre. Des températures stables, oui. Par rapport à hier, oui, ça change, par ça change rapport pas à hier, vraiment. Non. Mais dans les autres villes, l'intérieur particulièrement, l'intérieur, ça commence à baisser. Ça commence à baisser. On espère surtout le retour des pluies. On espère le retour des pluies, effectivement. Voilà. J'espère. On espère aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nina, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Après Journal télévisé du midi. Et celui de 19h. Après celui de 19h. Ce sera bientôt retour au chocolat chaud après. Oh là là. Oui. Allez, on va faire froid après. Ah oui, oui, oui. N'est-ce pas? Ah ben j'espère. En plus du café de 10h, ça va être après une collation, bien un bon chocolat chaud. Les deux. Les deux. Ah non, non. Bah les oui, deux. Les deux, c'est ce que ah, je disais. Les deux, d'accord, donc, ok. À 10h, ah oui. le deuxième le café de la matinée, et après une petite collation, chocolat exactement. Chaud, avec enfin, si bien sûr, les températures vont continuer à baisser. On espère. On attend le froid, la pluie. Personnellement, j'attends ça. J'attends oui, ça aussi. Aussi. Pourtant, je le dis toujours, j'aime beaucoup l'été, j'aime beaucoup les temps chauds, mais là... Mais là, on en a besoin. On en a besoin. Effectivement, on a besoin de vivre les saisons exactement. En leur temps. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sinon, ce sera pause musicale. Ça te dit en compagnie de Hassiba Amrouche? Avec plaisir. Allez, Hassiba Amrouche, en pause musicale et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était pause musicale en compagnie de Hassiba Amrouche. Et comme chaque samedi dorénavant, Ahmed Galgahsen est parmi nous. Bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Alhamdoulilah. Alors, Ahmed, aujourd'hui, on va s'inscrire un petit peu dans la continuité de la exactement, semaine dernière. Exactement. Nous avons parlé de Bechtarzi la semaine voilà, dernière, semaine dernière, de Tariq Al-Rahmania. On vient d'écouter une belle chanson kabyle. Et ça nous permet de... d'aller en Kabylie. C'est une belle transition, d'aller en Kabylie. Mais là, bien sûr, la Kabylie un peu... résistante, pas la Kabylie joyeuse comme on vient de voir. Et on va parler d'une personnalité clé de l'histoire de l'Algérie parce que il y a certaines, voilà exactement, il y a des symboles dans l'histoire de l'Algérie qui sont, dès qu'on vous parle, je ne sais pas de soufisme, tout le monde va dire l'Amir Abdelkader. Oui. On vous parle de bibliothèque, vous allez dire la bibliothèque de l'Hamel, la bibliothèque de je ne sais quoi. Et puis là, si on vous parle d'un grand cheikh qui a fait la résistance, tout le monde va penser bien sûr à Cheikh Al-Haddad, qui, à ses 80 ans et plus, a décidé de jeter les Français dans la mer. Oui. Ça, il fallait le faire. Donc, Cheikh Al-Haddad, Rabbi Yerhamou, c'est un symbole, bien sûr. On va parler un peu de la personnalité en tant que... parce qu'il a plusieurs facettes. Il y a la dernière facette, c'était la facette d'un grand mujahid, d'un grand résistant. Mais avant ça, c'était un homme de culte. Il est d'ailleurs décédé autant que tel. Et bien sûr, il est décédé prisonnier. Donc, ils n'ont pas hésité à l'emprisonner. Donc, il est mort en prison à ses 80 ans et plus. Donc, ça, il faut le faire. Hein. Il faut être l'occupant français pour faire ça. Donc... Cheikh Al-Haddad, il avait une destinée d'être un grand savant. Déjà, il a repris très jeune la zawiya de son père. Son père, il s'appelait Ali, donc il a pris le Coran. C'est son grand-père qui était forgeron, il était Haddad. De là est venu le nom patronymique. Ils sont originaires de Bni Mansour, ils sont déplacés à Sedouk Oufla, ils sont installés. Puis le père a étudié, il a appris le Coran, il a créé donc une mosquée, il a construit une mosquée où il enseignait le Coran à ses élèves. Et puis, donc, il y a Cheikh Al-Haddad, Mohamed Amzian, qui a appris le Coran chez son père. De là, il est parti étudier dans la zawiya du Cheikh Hussein Ben Arab. Mais bon, à l'époque, déjà quand il avait 4 ans... Alors là, nous avons une première image, c'est le village de Sedouk Oufla, c'est là oui. Où... Donc, c'est le village de Cheikh Al-Haddad. Donc, on voit une mosquée, on voit les maisons, donc...
C'est son village, le village natal, où, le village où tout a été lancé, oui. L'insurrection a été lancée. Et bon, donc il avait 4 ans quand Cheikh Sidi Mohamed Ben Abdelrahman, le fondateur de la Rahmania, est décédé. Il est décédé en 1794. Lui, il est né autour de 1790-91, donc il était très jeune. Et puis, donc, sur la lancée, il est devenu adepte de l'élève, disciple de Cheikh Sidi Mohamed, donc Ali ibn Issa. Il a pris l'ahd, donc il est devenu adepte de la Rahmania chez lui. Donc, bien sûr, c'est un processus d'initiation, donc c'est l'asma al-saba, et puis c'est la khloua pour à la fin être consacré. Et puis, il a été désigné comme cheikh, comme muqaddam. Il a renouvelé aussi son initiation chez le successeur de Cheikh Ali ibn Issa, Cheikh Sklaoui. Parce que Cheikh Sklaoui, lui, là, il était dans la résistance déjà dès le début. Apparemment, il a même résisté. Il était présent à Alger lors de l'invasion. Et puis, donc, il était ami de Cheikh Ahmed bin Salem, qui était khalifa de l'Amir Abdel Qader dans la région de Sabah. À la fin de la résistance de l'Amir Abdel Qader, ils sont partis. Ils ont négocié leur départ, ils sont partis à partir de Dallas. Ils ne sont même pas venus ici à Alger pour croiser le moins de Français possible. Ils ne voulaient pas les voir. Donc ils ont négocié leur départ, ils sont installés en Syrie. En partant, Cheikh Sklaoui a laissé la Mashiaha, le khilafa de Tariq al-Rahmaniya, le Cheikh al-Haddad. De là, donc, il a eu beaucoup d'influence. Là, on voit, c'est un dessin du procès de Cheikh al-Haddad. Oui. Et justement, pendant ce procès, il a eu une phrase magnifique, parce que le juge ou l'un des présents lui pose la question: « Vous saviez pertinemment que vous allez perdre ?» Il lui dit « Oui, mais je voyais aussi que s'il n'y avait pas de guerre, donc les gens allaient s'habituer à vous. » Et vous, comme si que l'occupation allait être normalisée, naturelle. Voilà. Donc il lui dit, il fallait qu'il y ait du sang qui coule entre nous, comme ça on peut construire un mur. Et justement, le mur qu'il a construit, il a duré jusqu'à la fin, jusqu'à 1954, où son rêve a été réalisé. Là, on voit l'image de son fils, l'un de ses fils, Cheikh Aziz. C'est l'un des rares qui ont réussi, parce que lui, il a été exilé. Le père a été condamné dans le procès, mais lui, il a été exilé en Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'un des rares qui ont pu s'échapper. Donc, il s'est évadé de la prison. De là, il est parti en Nouvelle-Zélande, Australie. Australie, il est parti à la Mecque, il s'est installé. Son frère a fait la même chose, mais il est parti en France, en cachette. Il est revenu en Algérie par la suite. Mais Cheikh Aziz, il s'est installé à la Mecque. Oui. Et il a eu, donc, ils lui ont même envoyé une femme, une kabyle du patelin. Oui. Comme imaginez, une arossa qui fait 3000 oui. ou 4000 kilomètres pour être mariée à Cheikh Aziz. Et il est resté là, c'est ses enfants, donc à Mecque al-Mukarrama, avec quelques personnalités. Donc lui, il est au milieu. Cheikh Aziz, c'était un personnage aussi, c'est le fils, mais c'était vraiment le vrai guide de l'insurrection, de la révolution des Rahmaniyya en 1871. Donc, pour revenir à Cheikh al-Haddad, il y a aussi, donc, c'est comme ça, donc il est devenu, il a créé une zaouïa, mais une zaouïa scientifique, parce que, enfin, scientifique, disons savante. Là, on voit son rêve, donc il a demandé à être enterré chez lui, à Siddouq. Et son rêve n'a été réalisé qu'en 2009. Donc vous voyez, il a été enterré à Al-Qudia, à Constantine. Et de là, ils ont transporté ses restes, lui et ses enfants, à Siddouq, où il a maintenant un mausolée digne d'un chef de la révolution. Et ça, c'est le témoignage de Cheikh Aziz bin Mohamed Amzian bin Cheikh al-Haddad. Devant ses juges, devant son avocat, il a fait un témoignage. Il a été traduit et publié en 1873. Les Rahmaniyya ont été détectés déjà dès le début, avant dès le début, les premiers accrochages. Déjà, les officiers français ont compris que la résistance allait venir des Sophia, des Tariqa. Ils avaient compris dès le départ qu'il y avait un danger, que ça pouvait constituer un danger par rapport à la colonisation. Parce qu'ils étaient réfractaires, donc c'était des gens qui ne négociaient pas.
Donc déjà dès le début, ça, parce que l'invasion française a commencé à s'étaler en Algérie. Mmh. Donc ça, c'est par contre, c'est un livre très important. Il vient d'être publié, ça fait quelques années. Et c'est vraiment une page ou une facette qu'on ne connaissait pas de Cheikh Al-Haddad. Mmh. C'est la facette d'intellectuel. On savait qu'il a enseigné Tafsir, qu'il a enseigné l'Oura, qu'il a enseigné le Mantir, qu'il a enseigné toutes les sciences qui étaient enseignées dans les Zawiyas savantes. Mais on ne savait pas. Certains disaient qu'il avait publié un livre, mais on ne l'avait jamais vu, jusqu'à ce qu'il soit publié, ça fait quelques années, Taqyid al-Muhill al-Ta'qid fi al-Tasawwuf. Donc, c'est des réponses qu'il donne aux gens qui contredisaient la Tariqa Rahmaniya, qui s'opposaient à la Tariqa. Donc, il y avait toujours des polémiques, donc ça se passe toujours comme ça. Donc, il y a des réponses, pourquoi des. Donc, un éclairage pourquoi, finalement, et c'est exactement, qu'il a fait. Donc, il n'est pas le seul à avoir fait ça, mais comme ça, grâce à ce livre, on a la preuve matérielle que Cheikh Al-Haddad était un savant, qu'il a même été auteur de livres. Donc en plus des quelques lettres qu'on trouve par-ci par-là, envoyées par son fils pour booster les gens, pour les inciter à la résistance, pour leur demander de rallier la résistance, pour leur demander à l'étoile. Et ça c'est aussi très intéressant. C'est un lexique. C'est un dictionnaire de langue kabyle et on voit qu'à l'époque, ils écrivaient. D'accord. Donc, ce n'est pas vrai que c'est une langue orale. Mais c'est une tradition orale. Ça, c'est vrai. Orale, oui. Parce qu'on a perdu beaucoup. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit en lettres arabes aussi. Donc, ça fait partie. Donc, ce travail a été aussi publié dans le Haut Conseil d'Amazirité, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, oui, exactement. Il s'appelle comme ça. Je suis désolée, Ahmed, j'étais en train d'essayer de lire, donc on voit des mots du dialecte. Du dialecte, exactement. À droite, c'est l'arabe, et à gauche, c'est le kabyle. Mm-hmm. Donc on voit, c'est un dictionnaire bilingue. Donc c'est un petit livret comme ça qui a été publié. Il est très intéressant parce que, et là, on comprend aussi peut-être que. C'est peut-être parce qu'il recevait des élèves qui venaient des parties de l'Algérie qui étaient arabophones. Donc, ils allaient rester quelques années dans la Zawiya en train d'étudier. Oui. Donc, ils devaient avoir un minimum de kabyle. Ils finissaient par apprendre le kabyle. Mm-hmm. C'était une façon de... Il y avait aussi... Les initier, donc pour qu'ils apprennent vite. J'ai vu une fois dans une référence comme quoi ils avaient même un poème didactique, donc « Mandoma ». Qui leur disait comment se disait ce mot en arabe, comment il se disait en berbère. Ça, c'est une ijaza, c'est un document, c'est une ijaza écrite par Cheikh Al-Haddad, et à la fin, on voit le mot Qasantina. Donc, c'est à la fin, quand il a vu que, bon, ils avaient perdu, c'était la fin de sa vie, donc il devait tout, coûte que coûte, envoyer et autoriser les chouyours, donc il devait désigner un khalifa de la Tariqa Rahmaniya. L'Arhmania, ils ont très bien résisté parce qu'ils ont vu que l'ancienne structure pyramidale ne pouvait plus continuer. Donc, ils ont désigné en même temps plusieurs khulafa. Donc, il y avait Hamlaoui, il y avait Boujlil. Donc, c'est ce qui a donné, Ahmed, justement, la naissance de plusieurs zawiyas, parce que Tariqa Rahmaniya compte plus d'une centaine de zawiyas. Bien sûr, non, pas les zawiyas. Les zawiyas, c'est normal, mais qu'il y ait plusieurs chefs. D'accord. Religieux, qu'il y ait plusieurs khulafa, c'est parce que c'est une façon de. C'est une adaptation aux nouvelles conditions. Là, on voit l'arbre généalogique de Tariqa Rahmaniya, donc le fondateur, les élèves directs, et on voit la lignée de Ali ibn Isa, Belkacem, Al-Hajj Bashir, Al-Hajj Ammar, et puis Cheikh Al-Haddad en bas, qui a donné à Cheikh Ibn Hamlaoui. Et on voit que Ibn Hamlaoui a initié Belkacem Boujlili, c'est pas vrai, parce que c'est l'élève, Boujlili a été élève de Al-Haddad. Boujlili aussi, c'était l'élève, il était présent à Sdor quand Cheikh Al-Haddad a lancé sa canne pour dire qu'on va les lancer comme ça, on va lancer les Français dans la mer comme ça. Et il le raconte dans l'un de ses écrits. Et Boujlili, il était tellement résistant dans la peau, quoi, dans les gènes, qu'il a. Il leur disait, il a fait une fatwa, il a donné une fatwa, celui qui touche la main à un Français doit refaire le dos. Ah. Donc, vraiment, c'était, il voulait coûte que coûte protéger la société, protéger la population, parce qu'il savait que les mœurs allaient changer, que on allait perdre notre identité, donc l'enjeu était terrible, et ils ont compris tous les risques. Là, c'est aussi un écrit en langue kabyle, donc on voit très bien. Ne me demandez pas de traduire, parce que même la lecture est difficile. Même la lecture est difficile, exactement. C'est ce que j'allais dire, oui. Donc, c'est une transcription.
Et des fois, ils ne transcrivent pas comme on peut nous le faire. Donc, alors justement, Ahmed, parlons de tous ces manuscrits, il y a eu quand même recherche qui a été faite, beaucoup de manuscrits qui ont été retrouvés de Cheikh Al-Haddad, justement. Que deviennent tous ces manuscrits aujourd'hui? On sait que, d'après quelques informations qu'on trouve dans les livres, que sa bibliothèque a été prise. A été prise, elle est quelque part dans les centres d'archives en France. Je pense que personne n'a dit ou personne n'a localisé la bibliothèque où elle se trouvait maintenant, mais on sait qu'elle a été prise, ces documents ont été pris. Maintenant, on trouve chez des familles qui commencent à faire sortir ce qu'ils ont confond, qui permettent aux chercheurs de voir. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Finalement, on comprend l'enjeu historique de tous ces documents. Parce qu'au début, ils ont gardé les anciens. Ils avaient peur en fait qu'on leur prenne leurs documents. D'autres ils voulaient garder pour la baraka, d'autres gardent pas, tout simplement pour garder, ils ne veulent pas partager. Mais maintenant, bon, ça commence, les langues commencent à se délier, comme dirait l'autre, et on a de mieux en mieux, de plus en plus accès aux documents qui ont un rapport avec notre histoire, donc que ce soit en Kabylie, que ce soit partout en Algérie. Et on voit mieux maintenant, le puzzle a un peu plus de pièces et l'image devient un peu plus nette. Mais bon, on a toujours des ondes floues, mais on comprend un peu mieux. Il y a aussi le travail qui a été fait par quelques historiens sérieux qui ont fait beaucoup de travail, notamment sur la Tariqa Rahmaniya, spécialement le travail de Cheikh Abdel Mounim Al-Qassimi. Donc il a fait un travail vraiment louable et tout à son honneur. Donc on comprend mieux. Donc reste à ce que les autres, d'autres historiens travaillent sur les autres tariqas, Al-Qadiriya, Tijaniya, Tibia, tout ce qu'il y a comme Shadouliya, Al-Alawiya. Donc c'est des toroks qui restent. On a besoin de comprendre. Peut-être que il y a certains, à cause d'une certaine doctrine inculquée, donc ils n'arrivent pas à franchir le pas. Donc il y a un mur psychologique entre eux et les toroks sofia. Donc ils n'arrivent pas à travailler. Mais si on ne travaille pas les toroks sofia, on ne comprendra jamais le 19e siècle en Algérie. C'est la clé de l'histoire de l'Algérie. Là, c'est un document sur, encore une fois, l'insurrection de 1871. Donc c'est un document français, c'est l'une des insurrections les plus étudiées par les Français à l'époque, parce que ça s'est embrasé d'un coup et ça s'est éteint très rapidement. Mais les dimensions de l'insurrection étaient très profondes, même l'espace géographique. Donc ça a vraiment fait peur, c'est l'une des insurrections. Et par la suite, bien sûr, les sanctions qui sont tombées par la suite ont été terribles. Donc ils ont mis sous séquestre des gens, ils ont saisi des terrains, plus de 2 millions d'hectares. Là, on voit les pauvres qui étaient conduits dès par des forçats pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, et ils en ont fait une carte postale. Ça, c'est on reconnaît le pont de l'Harrach. Et ils les conduisent à pied, les pauvres, au port d'Alger pour être conduits à la... Et justement, jusqu'à présent, on a des gens, des Algériens qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est les descendants de... Et qui vivent tout fièrement leur Exactement, algérianité. Exactement, bien sûr, hein, ils le sont. Ah oui, parce que... Et là, c'est un travail... On les a vus à travers le documentaire, d'ailleurs, de Saïd Al-Halmi. On les a même reçus ici, en Algérie. Donc, ils restent, ils gardent leur... donc, ils sont tout fiers de leur identité, parce que quand même, c'est une mémoire qui a été transmise de père en fils. Et c'est un déracinement, c'est un déchirement, c'est une forme de torture, finalement, aussi. Ils n'ont fait que ça, de toute façon, les Français, ici, en Algérie, ils ont torturé tout le monde. Là, c'est l'un des travaux les plus intéressants, récents sur Cheikh Al-Haddad, c'est un travail de Ali Battash. Il en est à sa... enfin, d'après l'image, c'est la 4e édition. Je ne sais pas s'il a fait une 5e, mais c'est un travail. Et c'est justement Ali Bettache qui était à la tête du centre culturel à Sdok lorsqu'ils ont reçu les restes de Cheikh Al-Haddad. Donc c'est lui qui a été à l'œuvre dans toute l'histoire. Et il a fait un travail très intéressant. Donc le travail a été même traduit en arabe. Et c'est un travail
très sérieux, documenté. C'est vrai qu'Ali Boutache a beaucoup investi sur l'insurrection de 1871. Et sur Cheikh Al-Haddad. Et là, c'est l'affiche du colloque. Là, c'est la continuité de votre travail, de recouper tous ces puzzles. Exactement. On va essayer. Donc, il y a un colloque qui va être organisé le 23 et 24 novembre, à la fin de ce mois, à la Bibliothèque nationale. Donc, il va être organisé par la Fondation Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. On va parler de justement, c'est le troisième centenaire de naissance de Sidi Mohamed, et on va parler de toute la tariqa Rahmania, donc du fondateur, de ses travaux, de ses élèves, et puis de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'elle a fait, l'organisation sociale, dans le folklore, dans la culture populaire, et les disciples, les grands noms, les savants qui et les zawiya qui ont été organisés, parce que là on trouve des zawiya rahmania de Oued Souf jusqu'à Al-Bayyad, donc elle est vraiment géographiquement elle est très étendue, et elle est la plus récente, elle est l'une des plus récentes. Bien sûr il y a la rahmania, la plus récente c'est la tariqa al-alawiya, mais à la fin de la période ottomane, donc c'était Zawiya Rahmania qui était la toute nouvelle. Et voilà, donc. Voilà, donc rendez-vous pris pour le 23 et le 24 novembre. Le 24 novembre. Donc ça va se passer au niveau de la Bibliothèque nationale. Exactement, Alhamma. Voilà, bien merci sûr, beaucoup. Et l'invitation est publique, donc c'est ouvert au public. Voilà, merci beaucoup. Aussi, le 1er novembre, le mausolée de Sidi Mohamed a été ouvert. Donc j'invite tout le public, donc ceux qui s'intéressent, donc à aller visiter. Donc c'est un nouveau look, donc mazel, donc voilà. Il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même, on est tout content parce qu'il a été réouvert, parce que Alger avait deux saints patrons, l'un au nord c'était Sidi Abdelrahman à Bab Loued, et l'autre au sud c'était Sidi Mohamed à la porte juste avant Bab Azoun. Elle était protégée par ces deux saints patrons, donc le Sidi Mohamed a été restauré, réouvert, et on attend la suite pour Sidi Abdelrahman, qui le sera, Inch'Allah, très bientôt. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, encore une fois, de nous avoir fait voyager, nous avoir fait découvrir l'un de ces piliers donc, des résistances populaires contre le colonialisme français. Donc, on se voit samedi prochain. Inch'Allah. Pour une autre découverte. Inch'Allah. Samedi prochain, on n'est pas encore au 22-23. Hein. Non, on est au début, 25. On est le 5. Voilà. Ça passe tellement vite aussi. Ça passe tellement vite. En tout cas, merci beaucoup. Ahmed, donc là, nous étions du côté du 19e siècle. Ça vous dit d'aller à la préhistoire? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Et bien, ça sera un reportage de Samira Hadjamar qui nous emmène pas très loin de la télévision. On est juste au boulevard du boulevard des Martyrs. Donc là, où il y a eu justement la découverte d'un mur préhistorique. Là, où on voit un peu le patrimoine subaquatique, finalement, préhistorique de l'Algérie. Je vous laisse voir ce reportage de Samira Hadjamar et on se retrouve juste après. Fait du hasard, au détour d'une ruelle, dans le prolongement du boulevard des Martyrs, ou de ce qu'on appelait avant Mustapha supérieur, se dresse une tranchée. Et quelle tranchée ! Sous nos yeux, 3 millions d'années, nous raconte l'histoire de la Méditerranée. Nous sommes ici, dans cette partie d'Alger, parce que l'Alger, il faut la compartimenter en deux. Il y a une partie qui est construite sur le massif de la Bouzaria, par exemple la Médina d'Alger, elle est construite sur le massif de la Bouzaria qui est formé de schiste, de calcaire, de gneiss. Donc c'est un compartiment massif qui est différent de ce compartiment est qui est formé sur cet astien. C'est un plateau. C'est un plateau qui couvre toute, si vous voulez, Bir Khadem, Bir Traria, El Biar, jusqu'au Télémni. Et qui, si vous voulez, qui désigne un moment de l'histoire de la Méditerranée. Un affleurement géologique, que de coquillages, de huîtres, de Saint-Jacques, juxtaposés pour nous raconter ce que fut ce lieu d'exception. Mais pas que, puisqu'une grotte fut découverte dans un passé récent, un peu plus bas. Pour les préhistoriens, en lui-même, il n'a d'intérêt que par une grotte que l'on y a trouvée au début du XXe siècle, je crois, et dans lequel on a trouvé une installation humaine extrêmement importante avec de nombreux outils et de nombreux ossements d'animaux qui n'existent plus à l'heure actuelle. Ils sont au musée de l'université Alger 1. Ce sont des sables,
Ce sont des sables avec, avec des intercalations de marne, d'argile, avec beaucoup de fossiles, qui témoignent, si vous voulez, d'un épisode marin très littoral. C'est-à-dire ces formations géologiques, c'est comme si vous voyez, vous êtes à Club des Pins, vous avez du sable, et quand vous, c'est-à-dire, vous nagez, vous allez un peu plus loin sur le plateau continental, vous avez du sable sous l'eau avec des coquilles, de grosses coquilles, etc., des gastéropodes, des oursins, donc de la faune qui vit sur le littoral. Et toute cette épaisseur, qui peut arriver jusqu'à 100 mètres d'épaisseur, si vous voulez, a été soulevée et aujourd'hui elle se trouve à ce niveau. Elle forme ce qu'on appelle le Mustapha supérieur, plus jusqu'à en montant d'El Ibrahim, El Biar, etc. De l'eau, voici ce qui compose les racines de ces tranchées. Déjà à l'époque de la régence ottomane, El Jazeer jouissait d'un extraordinaire système de captation. Elle est une réserve d'eau parce qu'en dessous, vous avez trouvé une autre formation qu'on appelle le plaisancien. C'est des argiles, c'est des marnes argileuses. Et c'est à ce niveau, c'est le mur de la nappe, c'est à ce niveau que l'eau va constituer cette importante nappe. Ces argiles, vous pouvez les voir, qui ne sont pas couverts par la scie, au niveau du Télémli, sous l'Oracie, vous avez toutes les argiles qui descendent. Donc il y a le Télémli qui descend, c'est-à-dire sous une forme boueuse, etc. Donc ce sont ces argiles qui sont le support de cet astia, qui est comme un morceau de gruyère. Voilà, c'est comme un morceau de gruyère. Donc, il y a des trous, des canaux qui en fait qu'il y a ce qu'on appelle un réseau karstique, c'est-à-dire des rivières souterraines avec beaucoup d'eau. Quand les gouvernants de la période ottomane, c'est-à-dire qu'ils se sont installés à la médina d'Alger, ils ont utilisé les systèmes de captage et de distribution de l'eau du massif de la Bouzaria. Donc c'est des puits, c'est des roches très dures donc pour percer. Donc ils faisaient des puits, donc ils faisaient des petits aqueducs très très limités. Puis ils ont étudié un peu plus tard, ils ont étudié cette région, ils ont compris qu'il y avait un système karstique, c'est-à-dire un réseau d'écoulement des eaux qui était permanent, puisque la recharge de ces grès, parce qu'ils sont très, très, très perméables. Certains riverains sont inquiets du devenir de cette tranchée. Ils espèrent que ce lieu d'importance soit conservé et protégé. On est toujours choqué de voir devant une si belle création de la nature être dégradé par des irresponsables, hein, parce qu'ils sont irresponsables, ils n'ont pas de culture, ils sont décultivisés, et là c'est malheureux, parce que là c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années par hasard. En passant comme ça, j'ai remarqué qu'il y avait des choses bizarres, et c'était des coquillages, des coquilles Saint-Jacques, etc. Comme ça, j'ai dit tiens, c'est pas possible, donc s'il y a des coquilles, c'est qu'il y avait de l'eau, et l'eau ne peut être que au-dessus, et il y a des créatures, enfin des mollusques, sous cette eau. Donc ça ne peut être que la mer. L'intérêt national est en jeu. Un patrimoine est en danger. Il gagnerait à être protégé d'abord par les riverains, mais surtout par les autorités et les collectivités locales. Les différentes raisons pour lesquelles conserver ces formations, du moins les conserver à la vue, est quelque chose d'important. Et c'est en particulier, à mon avis, important pour les jeunes, pour les enfants des écoles, que l'on peut facilement conduire et intéresser par cela, et à partir de là, leur expliquer tout le développement de la vie et l'histoire du monde. Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Samira Hajamar, qui est déjà parmi nous. Samira, oui. Bonjour. Bonjour, Noor. Comment ça va? Très, très on bien. On assiste, Samira, hein, tu es la seule à filmer ce mur. Oui, enfin pour l'instant. Pour l'instant. Et c'est quelque chose qui a joué un rôle très important dans mon intégration à la télévision algérienne, au canal algérien. De toute façon, tu fais un beau travail. Hein. Merci beaucoup, Noor. Tu es avec nous, je te le dis toujours, n'est-ce pas? Oui, et c'est... Alors,
Oui. Sujet très intéressant. Très, très intéressant. Et surtout, il nous emmène directement à notre sujet d'actualité, duquel on va parler en ce moment en compagnie de notre invité, M. Nazim Ben Salah. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Là, ici, le mec, ça nous fait plaisir, en tout cas, de vous recevoir. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous revenez d'une très, très belle expédition. Exactement. Très riche en expérience, très riche en documentation. N'est-ce pas? Et en découverte surtout. Oui, oui, oui. Alors, c'était une expédition donc, organisée par l'UNESCO avec 8 pays qui ont participé à cette mission, entre autres l'Algérie. Donc, moi et mon collègue Fawzi Ma'allem, le professeur Fawzi Ma'allem de l'Université de Guelma, on a participé à cette mission pour représenter l'Algérie. Alors, justement, cette mission consiste à une expédition aquatique. En Méditerranée pour cartographier encore une fois, faire l'inventaire un petit peu du patrimoine. Alors, quels sont les principaux objectifs, en plus de la cartographie, de cette mission? Qu'est-ce qui fait l'ampleur de cette mission? Alors, il faut savoir que c'est la première fois, c'était une première expérience pour l'UNESCO d'organiser une expédition pareille. Donc, ça n'a jamais été fait auparavant. Réunir sur un seul bateau... des experts de 8 pays différents, donc de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée, pour faire des recherches en plein milieu de la Méditerranée sur des épaves de différentes époques, hein, tout ce qu'on pouvait trouver. Mmh. Et du coup, on est parti. Alors là, il faut savoir qu'on était parti, on s'est tous retrouvés en Sicile. Et c'est de là où a commencé vraiment l'expédition, donc de la ville de Trapani. Tous les experts avaient rejoint donc, le bateau, c'était un bateau français de recherche archéologique français qui nous avait emmenés sur une zone qu'on appelle donc, le canal de Sicile. Il faut savoir que cette région a déjà été explorée pendant les années 90, ça a commencé fin des années 80, ça a fini jusqu'en 97, la dernière année, et c'était des chercheurs américains qui avaient découvert ce site-là, avec plusieurs épaves, 8 au total. Nous, on a pu faire la cartographie de 3 épaves seulement dans la région. Et, on rappelle que c'est une expédition qui n'a duré que 14 jours. C'est une expédition qui n'a duré que 14 jours. Il faut savoir qu'il y a eu les moments où il fallait se déplacer, etc. Donc tous ces moments où on n'a pas pu réellement travailler. Alors sur la première zone, la première mission sur le plateau continental italien, on a mis 3 jours de travail. C'est là où on a découvert les 3 épaves. Donc c'était une première mission déjà, avant de nous déplacer vers ce qu'on appelle les bancs des Escherquiers, qui se trouvent sur le plateau continental tunisien. Et c'est là où vraiment le travail d'archéologue, il y a eu de l'inédit, on va dire. C'était des épaves qui n'ont jamais été découvertes, qui n'ont jamais été prospectées. Elles étaient méconnaissables. C'était vraiment quelque chose d'inédit pour nous. Et pendant 8 jours, on a travaillé sur cette zone-là en Tunisie. Et justement, là, nous sommes en train de découvrir quelques photos que vous avez prises donc de cette expédition. Samira, j'imagine que tu aurais aimé être sur ce bateau, complètement. Comme moi d'ailleurs. Jalousie. Il faut savoir. Alors je reviens à vous. Oui. Il faut savoir que les photos qu'on a vues, elles ont été prises par des robots. Donc nous, en tant qu'archéologues, archéologues sous-marins, etc., nous n'avons jamais plongé sur ces zones-là. Mmh. Parce qu'elle se trouve à des profondeurs très, très importantes. De combien à peu près? Donc là, on était, les photos qu'on a vues, on était aux environs de 750 mètres à 850 mètres. Alors justement, là, aujourd'hui, d'après ce qui a été publié par rapport à vos travaux, on parle d'un véritable cimetière de bateaux, n'est-ce pas? Effectivement, c'est 8 épaves sur une seule et même zone pratiquement, en plein milieu de la Méditerranée. On se pose toujours des questions, qu'est-ce qu'elles font là, 800 mètres de profondeur? Donc, ça pourrait être un peu le delta des... Mais déjà, le banc des Escherquiers, parce qu'on dit aussi Escherquiers. Alors, le banc des Escherquiers... C'est une bataille qui a eu lieu... Pas forcément. Un bateau, en tout cas, qui a coulé... Il faut savoir que le banc des Escherquiers est une montagne sous-marine, si je peux m'exprimer comme ça, qui remonte pratiquement jusqu'à la surface. Donc, elle reste à... Il y a eu des endroits où on a trouvé 40 cm sous l'eau. Donc, du coup, la montagne, elle remonte de 200 mètres de profondeur jusqu'à 40 cm sous l'eau. Donc, elle était invisible pour les gens qui passaient par là, pour les bateaux qui passaient par là. Et pour l'anecdote, le jour où on était sur zone,
il y a eu la nuit, il y a eu un voilier, on ne sait pas pourquoi, ben, il est passé en plein milieu de la zone et par pur hasard, bon, il s'en est sorti. Hein. Mm-hmm. Donc du coup, jusqu'à nos jours encore, même si la zone est bien cartographiée, c'est-à-dire que voilà, sur les cartes marines, des navigateurs connaissent déjà la zone, donc en passant, ils savent qu'il y a un récif sous-marin qu'il faut faire attention. Et malgré ça, on risque encore d'avoir des surprises, oui. Des bateaux qui peuvent échouer sur ce banc-là. Alors justement, toujours dans cette même lancée, donc vous avez dit qu'il y a eu quand même une équipe d'Américains qui a déjà fait un travail 30 ans auparavant. Vous êtes un petit peu dans la continuité. Quel est l'état de conservation aujourd'hui de ce qui a déjà été découvert? C'est l'objectif principal de la première mission en Italie. Mmh. Donc c'était aller, enfin on était parti pour essayer de voir ce qui s'est passé pendant 30 ans sous l'eau, à 800 mètres de profondeur. Et heureusement pour le patrimoine subaquatique, donc il n'y a pas eu de phénomène très important. Alors, mis à part quelques déchets, hein, malheureusement, en Méditerranée, donc on a trouvé plein de sacs en plastique, etc. Le grand fléau environnemental voilà, aujourd'hui. Depuis 30 ans, donc on revient toujours sur cette question-là environnementale. Mais sinon, rien n'a changé. Il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu d'effet biologique nocif sur le patrimoine culturel à cette profondeur. Donc du coup, après, ce qu'on a fait... Et ça n'a pas été non plus détérioré par l'eau. On a vu quand même, il y a eu des ustensiles à base d'argile qui sont restés tels les quels. Les enfants. Qui ont été vraiment... Ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les amphores. Il faut savoir que les amphores, voilà, ce qu'on voit là, sont bien protégés sous l'eau que à terre, par exemple. Curieusement, alors que c'est en argile, en terre. Oui, surtout à cette profondeur où il y a moins d'oxygène, moins de choses nocives sur ces objets-là. Peut-être rappeler aussi que M. Ben Salah est l'un des rares archéologues, plongeurs en Algérie. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il fait le travail qu'on fait habituellement sur Terre d'archéologue, de recherche, lui, il le fait sous mer, sous l'eau, et il essaye, puisqu'il a reçu cette formation, il essaye de la transmettre à d'autres archéologues en Algérie. Ah. Peut-être le seul à avoir cette formation. Donc si on comprend que vous êtes le seul, ça veut dire que l'archéologie déjà subaquatique probablement n'est pas très développée. On va dire que c'est les débuts de l'archéologie subaquatique en Algérie. Il y a des moyens quand même très importants qu'il faut mettre en valeur, ce que vous avez fait d'ailleurs durant cette expédition. Alors, durant l'expédition, il faut savoir que voilà, le bateau qui a été affrété par les Français est un bateau de recherche dédié à l'archéologie sous-marine. C'est un des rares. Il y a eu deux robots. Drone aussi, un rover. Voilà, donc des rovs, des robots sous-marins. Mm-hmm. Les deux robots, alors il y en avait un, le premier qu'on avait utilisé, qui s'appelle Arthur. Il arrive à une profondeur de 2500 mètres. Donc ça permet aux archéologues. Donc, ça a vraiment permis, parce que vous étiez à une profondeur, vous avez dit 800-850 mètres. Exactement, de belles images sur les épaves. De très haute qualité surtout, donc c'est ce qu'on avait fait au départ, donc refaire des images de très haute qualité par rapport à ce qui a été fait en 97. Et sur la deuxième partie, on a utilisé un autre robot qui s'appelle Hilarion, et ce robot là est très maniable, très petit, très maniable, et on arrivait à avoir des images très rapidement, donc reliées directement par fibre optique au bateau, etc. Donc c'était... Personne n'a plongé. Personne n'a plongé, sauf les robots. Sauf les robots. Voilà. C'est dommage. Mais concrètement, c'est quoi les découvertes majeures qui ont été faites grâce à cette exploration? Sur la partie tunisienne, alors, il y a eu des découvertes inédites, donc sur le banc des Esquerquis réellement, sur un rocher, enfin le rocher dont je vous ai parlé, la fameuse montagne, qui s'appelle Kate. Alors il faut savoir que le banc des Esquerquis est un grand espace, où il y a beaucoup de récifs qui remontent comme ça. Et on est parti sur une seule partie, donc le rocher Kate. Et sur celui-là, on a trouvé trois épaves. On a découvert trois nouvelles épaves qui vont depuis l'Antiquité. Une épave qui date de l'Antiquité, où on a trouvé des amphores. Et deux autres qui dateraient du 18e, 19e siècle. Donc les analyses sont toujours en cours. Pour finir avec un rapport d'ici fin janvier 2023 qu'on va présenter, donc tous les experts qui étaient à bord, on va présenter un rapport au niveau de l'UNESCO, au siège de l'UNESCO à Paris, sur cette expédition. Donc le rapport n'est pas encore fini, c'est toujours en cours d'étude. Donc là finalement on est sur une histoire de 2000 ans environ.
On est sur une histoire de 2000 ans, peut-être même plus. Même plus. Même plus, parce qu'on n'a pas fait toute la zone, on n'a pas eu le temps de faire toute la zone. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est, si je me permets de revenir sur, sur les robots, c'est des robots qui ont été développés par, par une université française. Donc, ce n'est pas vraiment du prêt à l'emploi. On ne va pas l'acheter dans une usine. Oui. Donc, c'est des laboratoires d'université, le laboratoire de l'Université de Montpellier, je pense, qui a développé ces robots-là pour le département de recherche en archéologie français. Donc du coup, ça leur a permis de faire d'une pierre deux coups, alors aider les laboratoires de robotique à développer encore de nouvelles techniques et aussi aider l'archéologie à élaborer, à développer des techniques spécifiques pour l'archéologie sous-marine. Et donc, vous aimeriez lancer un appel au laboratoire algérien, comme celui de Belzoar ou alors ça serait une très bonne idée. Ça serait une très bonne idée de faire appel, justement. On a les compétences, je pense, en Algérie, pour développer ce genre de technologie. Ça a été bien prouvé, d'ailleurs, hein, oui, parce qu'il y a de la présence des compétences. Oui. Alors, justement, Nazim Ben Salah, toujours dans cette expédition, donc aujourd'hui, vous avez pu cartographier, vous avez pu faire des découvertes inédites, comme vous l'avez dit. Quel est le devenir aujourd'hui de toutes ces découvertes? C'est bien beau de cartographier, de faire l'inventaire, mais... Le devenir, c'est que, voilà, il faut savoir que si l'Algérie et d'autres pays qui n'étaient pas directement concernés, pardon, par les biens culturels, il faut savoir que ces biens culturels, malgré tout, n'appartiennent pas qu'à la Tunisie ou qu'à l'Italie, mais c'est bien... appartiennent à l'humanité. À l'humanité. Et c'est une première, justement. C'est pour ça que l'Algérie a voulu faire partie de cette expédition dès le départ pour justement prouver que voilà, ce patrimoine appartient à l'humanité et mais qu'il faudra... Mais surtout parce que c'est proche aussi des eaux territoriales algériennes. Le sauvegarder, oui. Exactement. Donc c'est plutôt proche de chez nous. Et puis, on pouvait aussi trouver des bateaux peut-être qui venaient vers l'Algérie ou qui partaient de l'Algérie. Exactement. Donc du coup, oui, il y avait cet enjeu-là aussi. Et puis, il faut rappeler que c'est une première expédition qui est aujourd'hui réussie, du moins c'est ce que disent les rapports de l'UNESCO, n'est-ce pas Samela? Oui, c'est une expédition qui est réussie. Si elle est réussie, certainement il y aura d'autres expéditions complémentaires. On l'espère, parce que bon, c'est vrai que l'expédition... a dû coûter relativement cher pour les pays qui ont participé, pour l'UNESCO, etc. Et on espère que d'autres expériences se feront. Alors, pas forcément sous l'égide de l'UNESCO. Oui. On pourrait s'entendre entre pays qui ont des intérêts... Université, pourquoi pas. Voilà, entre des universités, etc. Et développer des opérations pareilles de collaboration internationale. L'expédition qu'on avait faite en Tunisie et en Italie, sur les deux plateaux continentaux, était un succès alors scientifique, mais aussi sur le plan humain. Oui. Il faut savoir qu'on a vécu ensemble sur un petit bateau, enfin petit bateau, c'est relatif, mais on a vécu tous ensemble. Il y a eu des experts qui venaient, d'autres qui repartaient, etc. Pendant 15 jours, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone. Mais il y avait surtout un transfert de savoir, un partage de savoir. Voilà, il y avait ce partage de savoir. Surtout. Il y avait ce partage de savoir, il y avait cette envie de connaître de nouvelles choses, etc. Donc on avait tous les mêmes objectifs et aussi il y avait l'aspect humain sur le bateau. Mmh. Donc on devait vivre tous ensemble pendant 15 jours, scientifiques, membres de l'équipage, etc. Donc il y avait cet aspect qui était aussi réussi. Donc du coup, réussi, c'est une très, très belle expérience. Vous avez revécu finalement la vie d'avant la technologie. Hein. Oui, on a vraiment. C'était nostalgique finalement. Ah, oui, franchement, c'était oui, on n'avait plus. Enfin, notre téléphone ne servait plus à rien, sauf à prendre des photos sur le bateau, mais pas pour téléphoner en tout cas. Immortaliser effectivement ces moments. Mais sinon, Samela, il faut dire que même en Algérie, il y a un beau patrimoine subaquatique, n'est-ce pas? L'Algérie, elle est riche. Hein. C'est un pays où il y a énormément de richesses patrimoniales, terrestres. On a plus de 370 sites, monuments qui sont classés au niveau national. Et 7 sites classés... au niveau de l'UNESCO, ce sont des sites connus, mais il reste énormément de choses. Alors, des sites sur Terre, hein. Sur mer, c'est un autre problème, c'est un problème. Pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que quelqu'un a plongé parmi donc les archéologues? Personne n'a plongé, il y a des lois qui régissent tout ce qui est patrimoine, et sous la mer, ce
Pour le coup, je crois que c'était des lois françaises. Mais sinon, chez nous aussi, il y a des lois, ou du moins, on essaie d'avoir une batterie de lois qui protège ce patrimoine qui est sous la mer et qui reste vraiment méconnu. Il n'y a pas eu beaucoup d'explorations depuis le début, en fait, puisque les explorations sous-marines, et ça, c'est une problématique déjà que j'ai posée pas très longtemps à M. Ben Salah. Est-ce qu'on dit subaquatique ou on dit sous-marine? C'est du patrimoine sous-marin ou subaquatique? On peut dire les deux sont justes. Alors pour le sous-marin, il faut savoir qu'il est réservé juste au patrimoine qu'on retrouve sous la mer. Donc voilà, sinon subaquatique, ça se dit pour tout. Ça a été adopté surtout à partir des années 90, mais le subaquatique, patrimoine subaquatique, identifie plutôt le patrimoine qui est dans les zones d'eau douce ou des lacs, des rivières, alors que le sous-marin, c'est dans l'eau salée de la mer. Voilà. Mais sinon, ça a été adopté à partir des années 90 et ça a été étoffé par une convention de l'UNESCO à partir de 2001. Qu'est-ce que ça dit? C'est les lois qui régissent le patrimoine, la protection, la conservation et le respect du patrimoine qui est immergé sous l'eau, ce qui peut être aussi sur les côtes, ça peut être les ports, les anciens ports, les ports antiques. Voilà. En Algérie, les premières recherches ont commencé dès la fin des années 60. Je le regarde comme s'il allait approuver, valider. J'ai peur de lui. J'ai peur de dire des bêtises. Il fait partie des spécialistes. Voilà. Ne t'inquiète pas, si tu vas dire des bêtises, il va te reprendre. Voilà. Donc, avec l'affaire Khalef, qui est un universitaire. Il y en a beaucoup. Il y a l'affaire. Alors, on est 5 ou 6 déjà à commencer à essayer de développer cette discipline. Je vais les citer, pour pas. Voilà. Donc, il y a Fawzi Ba'allem de l'université de Guelma, l'affaire Khalef de l'université de Tipaza, Youssef Ben Saïdani de l'université de Tipaza, Najib Ben Ouda de l'université de Tipaza. C'est ça. Moi du CNRA, du Centre National de Recherche en Archéologie, ma collègue aussi Rima Dali Chaouch du CNRA qui plonge aussi. Nous avons aussi notre ami Amir Berkane qui a édité un livre dernièrement. Alors il faut savoir, Amir n'est pas archéologue. Mais il fait beaucoup il est médecin de formation. Et il est bénévole pour participer aux opérations d'archéologie sous-marine. Voilà, donc il y a eu des choses qui ont été faites. À partir de 1968, il y a une expédition de York et Davidson. Ils sont venus ici en Algérie, ils sont partis de Goraya jusqu'à Annaba. Ils ont exploré, ou du moins on va dire, ils ont dragué. On drague la mer. Ils ont aussi dragué cette partie du littoral algérien. Les côtes algériennes, il faut le rappeler et le préciser, c'est 1600 km. C'est au nord. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé quelques épaves, mais rien de déterminant. Exactement, ils ont trouvé quelques ports, quelques viviers aussi à poissons, exemple, à chercher. Une épave à Annaba. Ça, pourquoi c'est important? Parce que ça raconte l'histoire et ça confirme du moins l'histoire qui a été transcrite par quelques géographes ou historiens par le passé. C'était en 1968. Ensuite, en 2005, dans la baie d'Alger, il y a eu une expédition qui a été menée. Ça s'appelle le GRAN. Donc avec aussi les forces navales d'Alger, ils ont plongé, ils ont exploré. À la base, c'était une recherche par rapport à la bataille qui a eu lieu en 1541, celle de Charles Quint, qui s'est battu, qui est venu avec une armada de plus de 250 navires. Il y avait des milliers de marins, de soldats, tout ça. Et ils se sont battus contre Hassan Ara, qui lui, à l'époque, on en a fait un sujet, c'était toi. En août dernier. C'était une légende que j'avais racontée sur Alger. Donc 3000 soldats, Hassan Ara a réussi. La légende, c'était Bordour, Sidi Wali Dada et Sidi Ibrahim. Les deux sont enterrés au mausolée de Sidi Abdelrahman. Sidi Ibrahim est dans l'amirauté d'Alger, qu'on peut visiter avec une autorisation. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Charles Quint a perdu la bataille. Et donc, tu as beaucoup de bateaux qui ont coulé. Eux sont venus, cette expédition est venue. Ils ont voulu plonger pour essayer de retrouver ces épaves. Ils n'ont pas trouvé cette épave, les épaves de cette bataille. Ils n'ont pas trouvé les épaves de Charles Quint. Ils ont trouvé
d'autres voilà. Voilà, ils ont trouvé des restes du sphinx. C'est quoi le sphinx? C'est un navire qui a transporté l'obélisque d'Égypte vers la France, cadeau de l'Égypte pour les Français. On n'a pas de certitude. Que ça soit bien le sphinx. Voilà, en fait, on n'a pas vraiment de certitude, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans ce sens, malheureusement. Des projets probablement à l'avenir dans ce sens. Des projets, oui. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur la bataille de Charles Quint, il y aurait un très bon projet à développer pour l'Algérie, pour des pays qui pourraient être intéressés par ces recherches-là, dont la baie d'Alger. Puisque au niveau du Bénon d'Alger, il y avait une forteresse espagnole que Rendén Barberousse a mis à détruire. Et cette forteresse faisait la loi, pour réduire faisait la loi sur tous les bateaux qui sortaient et qui rentraient vers Alger. Il doit y avoir énormément de choses qui sont sous l'eau. Ça n'a pas, il n'y a pas eu d'exploration, comme pour Schleff le Banel, la légende de Mama Binet, ce sont des Hollandaises qui ont échoué sur cette rive. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait une cartographie, il faudrait déjà un inventaire du patrimoine subaquatique, et ensuite faire une cartographie, et peut-être à l'issue, créer ce qui n'a jamais été fait un peu partout dans le monde, c'est un musée sous l'eau, effectivement, qui renseignerait sur l'histoire. Il faut savoir que dans le cadre des recherches du CNRA, un projet d'inventaire de cartographie, cartographie des biens culturels. Le sous-marin était inclus. Donc, du coup, on a commencé par la ville de Al-Qala, par exemple, etc. Enfin, toute la région de Al-Qala, de Taraf, la wilaya de Taraf, pour faire des explorations là-bas. Samira, on te responsabilise alors pour nous donner des nouvelles à l'avenir. On rappelle très rapidement, Samira, que des choses ont été trouvées, entre autres les 23 canons à Chechel, à Hamdaniya. C'est ce qui a un peu freiné le... Avec une nouvelle épave aussi qu'on vient de découvrir. Donc, c'est une exclusivité. Une nouvelle épave chargée déjà là, sa caméra. Voilà. Alors, ces canons datent de l'époque ottomane. Vous avez participé justement à l'exploration. Et tout ça, ça raconte... ça confirme l'histoire de l'Algérie. En régie, on te responsabilise par rapport au reportage. Oui, je veux. Je veux. Et comment je mange avec eux. En tout cas, merci beaucoup, Samira, encore une fois d'être revenue sur l'histoire, d'être revenu encore sur ce patrimoine. Nazim Ben Salah, bravo pour votre expédition. Inch'Allah, à d'autres expéditions. On vous attendra en janvier pour le rapport final. Oui, avec grand plaisir. Inch'Allah, en tout cas, merci beaucoup. Très belle continuation à vous. Samira, on se retrouve samedi prochain pour une autre thématique. Inch'Allah. Alors, on va rester avec ce patrimoine subaquatique. On va toujours rester en ta compagnie, Samira, avec l'un des reportages que tu as fait sur Ma'amar 2. Sur Ma'amar 2, oui. Un autre patrimoine, donc le film de Dahma al-Harachi a été tourné. Oui, et le lieu où je crois qu'ils fabriquent des chebecs. Mm-hmm. Et en tout cas, ils avaient le projet de le faire. Les chebecs qui étaient le navire, par excellence, des... ce qu'ils appellent les pirates, mais sinon c'est... De la marine algérienne. Voilà, effectivement. On va découvrir tout cela dans le reportage de Samira Hadjamari. On se retrouve juste après. Taille 16 mètres, prénom Ma'amar II, origine finlandaise. Né en 1968, il s'agit là de l'un des plus vieux chalutiers en activité en Algérie. Un héritage de père en fils. C'est un bateau finlandais. Il a été acheté en Suède, en 76, pour l'Algérie. C'est mon père qui a ramené ce bateau. C'est une histoire de famille, mais aussi de cinéma, puisque Ma'amar a servi au tournage du téléfilm Sahayed Ahmen, réalisé en 1980. Il a fait un film avec les acteurs algériens, avec Abou Jamal Anqis, El Baji, Dahma al-Harachi. C'est le film de Dahma al-Harachi, c'est lui l'acteur qui a fait ce film-là. Même il était l'Hachmi. Nashmi Grouabi qui était à bord dans ce bateau-là. Sa particularité, Ma'amar II exige beaucoup de soins et d'attention. C'est son propriétaire, Cheikh Batman, patron pêcheur, qui le dit. Unique pour l'Algérie, il est construit en fer et en bois.
et en bronze. Mais on a toujours des problèmes. C'est un ancien bateau. Mais le problème, les réparations de l'eau, ça coûte très cher. Mais on voudrait réparer ce bateau-là. Mais ça coûte. On ne peut pas le réparer complètement. Ça coûte le bois, ça coûte le fer. Même les réparations de l'eau, ça coûte très cher. Par heure, ça coûte très cher. Et pourtant, c'est le patron pêcheur qui s'est résigné à mettre en retraite Mahamar II. Le vieux chalutier de 52 ans finira peut-être ses jours sur cale au chantier naval de l'Écorep, ou bien aura-t-il une seconde vie au musée de la marine pour le plus grand plaisir du public amateur. L'Écorep, elle peut prendre la coupe Théo, la coque Théo, elle peut prendre les membrines Théo. Ils vont fabriquer des autres bateaux comme celui-là. Parce que c'est des bateaux solides, c'est des bateaux dans les hautes mers. Alors ils ont fait pour eux, dans les hautes mers. En Inde, la Méditerranée, on ne demande pas les grands bateaux. Parce que maintenant, c'est une grande mer. Mais au moins, une grande mer. La moitié du bateau, elle est en bas, au-dessous de l'eau. Les Corées, le musée, ils s'aident. Il y a une coque, un cadeau. Voilà, c'était donc un reportage de Samira Hajamar qui s'est intéressée donc à Mahamar II, un bateau qui a servi, comme on vous le disait, au tournage donc du film de Dahmal Harachi, Larhamou Salih. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art, à la sculpture, particulièrement au fil de fer, au fil de cuivre. Un artiste est parmi nous ce matin, Monsieur Merzak Hannou, bonjour. Merci, bonjour madame. Bienvenue à vous. Laïs Elmek, merci pour l'invitation. Franchement, avant de commencer, j'ai envie de vous dire bravo. Merci. C'est tellement fin, c'est tellement beau, mais on aurait vraiment du mal à se dire que les choses sont faites à la main, hein, tellement qu'il y a une grande finesse. Oui, exactement. Oui. D'où vient l'intérêt, finalement, de faire ces travaux? L'intérêt m'est venu dès mon jeune âge. J'ai commencé à bricoler, je suis complètement manuel. Voilà. Je fais des choses, je fais de l'électronique, je fais un peu de tout. D'accord. Voilà. Et vous êtes arrivé donc à ces magnifiques sculptures. Mais le Covid. D'accord. Nahar ghalqo, j'ai libéré un petit passage la cave. D'accord. Et j'ai commencé à bricoler. Subhanallah. Voilà. Comme quoi le Covid, c'est vrai oui, que oui, il a côté, fait beaucoup de dégâts. De dégâts on va exactement. Profiter de l'occasion donc surtout ceux qui nous ont quittés l'Arhman. Et c'est vrai que ça a été une période très très difficile, mais on a ceux qui ont su profiter finalement de ce confinement pour sortir avec de très belles créations. C'est le vide qui nous a poussé à faire ça. Voilà. Exactement. Voilà. C'est du fil de cuivre laqué noir mat avec une peinture. On dirait que c'est de l'époxy, mais velouté pour donner un aspect et protéger le cuivre. Et justement, avec le temps, ça s'oxyde ou ça reste non, comme ça? Non, ça ne s'oxyde pas, ça reste comme ça. D'accord. Voilà, j'ai protégé le cuivre avec une peinture un peu spéciale. Un peu spéciale. Voilà. Et justement, on voit que le travail, il est très fin, tout se fait à la main. Minutieux, oui. Tout se fait à la main, donc finalement, vous travaillez comment? Comment vous choisissez? On voit que le fil, déjà, il y a plusieurs calibres. Oui. Tout dépend. Tout dépend de la sculpture physionomique. Je repère l'aspect extérieur, je mets un fil de cuivre assez épais et l'aspect esthétique, je fais avec un fil de cuivre assez fin. Voilà. Pour donner la finesse de la chose. Mais c'est très fin, on reconnaît l'expression du visage quand il s'agit des... Mais vraiment, l'expression, elle est... Je fais même du personnalisé, votre visage. Non, sérieux. Oui, je peux le faire, je l'ai fait. J'ai fait, mais c'est personnel. De toute façon, ça ne m'étend pas, parce que là, il y a sur le plateau quand même des visages de personnages de dessins animés qu'on connaît. Exactement. Et on reconnaît. Et il y a des mangas, regardez. Des mangas, voilà. Les mangas, il y a le scooter, la Vespa. Le scooter, voilà, en trois dimensions. Il y a la femme voilée. La femme voilée. Le haïk. Le fameux haïk, oui. Avec ses yeux. Justement, on demandera peut-être à Sherifa de nous faire un gros plan, ben voilà, on le voit. Regardez ses yeux. Très, très belle expression, effectivement. Ouais, c'est le mec. Et ça vous prend beaucoup de temps à faire une sculpture? De 2 heures jusqu'à 10 heures. Ah, quand même. Ah oui. Donc finalement, tout dépend des détails que vous tout allez... Tout dépend des détails. Exactement. Les petites, que ça va me prendre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Oui.
Mais les grandes... Mais 2h30, 3h, vous êtes aussi très méticuleux, j'imagine. Hein? Oui. Ah oui, ah oui. Le travail, oui. Demande la méticulosité. Oui. Voilà, exactement. Non, mais ça se voit de toute façon. C'est encore une fois, comme je le disais, très fin, très gracieux comme travail. Et donc, le fil de cuivre, il est facile à travailler. Il est facile. Tout dépend des fois. Il est malléable un peu? Non. Mm-hmm. Il faut le chauffer. D'accord. Il faut bien le chauffer pour le manier pour ne pas se casser. Voilà. Voilà, pour ne pas qu'il se casse. Parce que là, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de courbes, beaucoup de rondeurs. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Voilà. Voilà, et justement, donc, encore une fois, dans le travail, vous utilisez la soudure aussi? Oui, des fois, oui. Mm-hmm. J'utilise la soudure, mais des fois, non. Il y a des sculptures à fil continu, on appelle D'accord. ça. Fil continu, comme le cheval. Comme le cheval, c'est un fil continu. J'utilise des soudures pour éviter le frottement, voilà, pour le maintenir en place. Mais c'est un seul fil. D'accord, mais en fil continu, c'est peut-être un peu plus difficile, non? Non, pour moi, non. Non. Oui, pour vous, le non. Le plus difficile, c'est les détails. Oui. Les détails. Parce que faire ressortir les expressions, en particulier quand il s'agit du figuratif. Une loupe. Des fois, je travaille avec une loupe. Ah, comme, tellement carrément. C'est compliqué, oui, oui. Carrément. Tout ce qui est petit, c'est vraiment multiculeux. C'est ce qui vous prend le plus de temps, peut-être. Oui, oui. D'accord. Alors, on voit que le travail, encore une fois, il y a beaucoup de détails, hein, vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Il y a un travail de dessin qui se fait au préalable, oui. Vous dessinez auparavant. Bien sûr, ou oui. Ça se passe comment? Oui, je suis un ancien dessinateur. Voilà. Voilà. Donc, c'est une continuité, finalement. Hein, c'est une suite logique. J'ai fait du design, j'ai fait. Voilà. Voilà. J'ai fait du dessin, j'ai fait des aquarelles, spécialité bateau, mais je les garde pour moi. D'accord. Voilà. D'accord. J'adore les catamarans. Ouais. Ah, ben. Ah oui, j'adore. Peut-être en sculpture après? Hein? Peut-être. Voilà, on voit aussi quelques photos vraiment très, très, très expressives. Elles sont tout juste magnifiques. Voilà. Encore une fois. C'est mon fils qui prend les photos. Ah ben voilà. Il est artiste, voilà. Lahiberg, en photographie. Lahiberg. Donc là, on voit que c'est personnalisé. Hein? Oui, donc, oui. Pour les médecins, pour les bureaux, pour... La fleur qui se fait la jamais. Fête des mères, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la fête des mères en voyant la fleur. La fleur, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la fête des mères, j'ai de suite fait le rapport. Exact. Voilà. Voilà. Des visages de femmes. Mm-hmm. Mm. Donc ce sont des idées qui vous viennent comme ça, ce sont des commandes qu'on vous fait, comment ça se passe? C'est des idées qui viennent comme ça, je fais des dessins et je les réalise. Et vous avez fait une formation au préalable? Non. Ou non. Plusieurs essais et... Non, c'est des essais. J'ai commencé à faire des petites choses, mais j'étais toujours manuel. Mm-hmm. Je travaillais toujours avec mes mains. Voilà. Un ancien des télécommunications. Oui. Donc, vous avez un très bon rapport avec les fils. Je suis toujours câblé au fil de cuivre. Voilà. J'aime bien l'expression. Exactement. J'aime bien l'expression. Câblé au fil de cuivre. Voilà. Et justement, câblé au fil de cuivre, le fil de cuivre, il est, vous le trouvez facilement Il parce qu'il y a aussi des qualités, de plus en plus. Il y a aussi... Oui, c'est des qualités. Parce que ça reste quand même, ça reste quand même des objets qui s'inscrivent dans le temps après. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on le trouve difficilement. Mm-hmm. Avant, c'était chez des bobineurs, on peut récupérer, mais donc ça, il a augmenté le prix. Oui. Il commence à atteindre le prix de l'or. Oui. Ah oui. Ah, carrément. Ah oui, oui. Ouais. Mm-hmm. Il est cher. Carrément. Et on ne peut pas vendre une sculpture Agda aussi élevée, c'est impossible. Mais après, la rentabilité... Voilà, c'est juste. Voilà, c'est un peu difficile de rentabiliser. C'est juste parce que j'aime ça. Mm-hmm. J'aime faire ça. Non, vous aimez, en tout cas, ça se reflète. Ça se c'est fait avec amour. Ça se reflète, en tout cas, on le ressent. Exactement. On ressent dans le travail. Mais sinon, on voit aussi que vous n'êtes pas arrêté que sur la sculpture, mais il y a aussi le socle, le support en bois. Oui, le support, bois, il est fait en acajou. D'accord. Et du chêne. Je travaille avec ces deux bois. Encore du bois noble. Le noble et la noblesse. Voilà. Encore du noble. Donc, vous restez dans le bois noble. Le noble et la noblesse. Voilà. Donc, vous travaillez aussi tout seul ou vous faites appel à un menuisier aujourd'hui? Menuisier pour la découpe. D'accord. Pour la découpe, pour la dégauche. La finesse, le travail fini, c'est moi. Mm-hmm. Voilà. Voilà, mais sinon, quels sont les retours un peu des gens que vous rencontrez, qui peuvent découvrir vos travaux à travers les réseaux sociaux? Ils sont toujours émerveillés.
Émerveillé, comme moi, aujourd'hui. Émerveillé, voilà. Surtout le travail personnalisé. Oui. Les visages que je fais, je renvoie aux gens, vraiment, ils sont émerveillés. Mm-hmm. Voilà. Voilà, alors, justement, il y a Souad, notre réalisatrice, qui me demande peut-être de montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez toujours l'arrière-plan blanc pour qu'on pour qu'on puisse découvrir mieux donc la sculpture. Comme ça. Alors, je ne sais pas si on peut... Mais après, il y a le téléphone qui gêne un petit peu. Voilà. Ah, d'accord. Vous jouez un petit peu sur les ombres, alors. Voilà, exactement. D'accord, vous jouez sur les ombres. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un personnage de manga. Voilà. Et là, c'est un très beau personnage aussi, Tergi, oui. C'est ça. L'homme bleu. Ce que nous avons ici, l'homme bleu. Voilà. 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 Et donc, il faut une lumière qui va avec, hein. Oui. Et donc, si on doit l'accrocher, si on doit l'exposer à la maison, c'est toujours avec une lampe? Non, c'est un support sur un mur blanc avec une étagère à fixation invisible. C'est formidable. C'est formidable. Ah oui. Plusieurs sculptures, plusieurs thèmes. C'est... Voilà. Voilà. Et sinon, on vous fait plusieurs commandes de ce genre de sculpture. Mais sinon, quels sont les thèmes qui reviennent le plus, que les gens demandent? Personnalisé. Le personnalisé, en général, figuratif. Le personnalisé. Les visages de femmes, d'hommes. Voilà. D'accord. Des projets probablement encore pour développer cette passion? Oui. J'ai envie de les encadrer, de faire vraiment un encadrement en 3D avec une sculpture à l'intérieur, une petite lumière. Mmh. Voilà. Et c'est... Voilà, parce que ça reste quand même un travail qui n'est pas très répandu, qui n'est pas connu. Il n'est pas connu en Algérie. C'est très intéressant aussi, probablement, de former, d'élargir un peu ce travail pour le rendre plus accessible. Oui. Envisageable, oui. Envisageable. Oui, envisageable. Pourquoi pas. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses. Madame. C'est vraiment magnifique ce que vous faites. Je vous félicite. Encore une fois, moi-même, je reste comme une enfant finalement. Émerveillée comme tout le monde. Émerveillée comme une enfant. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Mezak Hano, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, je rappelle, vous faites des sculptures à partir de fils de cuivre. Laqué. Voilà, fils de cuivre laqué. En tout cas, merci beaucoup. Très, très belle continuation. Merci pour l'invitation. Marhababik. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Institut national d'agronomie et en compagnie de Mariem Oussaïd qui nous fait découvrir cet institut et on se retrouve juste après. L'École nationale supérieure agronomique est un véritable sanctuaire pour des arbres centenaires et exotiques. Les étudiants de l'école côtoient et profitent de la ramure et l'ombrage de ces spécimens. Certains de ces arbres se tiennent fièrement malgré les années qui pèsent sur leurs branches. Le docteur Boucher Brahim nous fait découvrir avec passion l'histoire et l'origine de certains de ces arbres. Parler des jardins botaniques, ici même à Alger, nous avons globalement, nous avons trois jardins botaniques. Le jardin botanique ici même de l'École nationale supérieure agronomique, le jardin botanique d'Ezé, jardin du Hamma, et aussi le jardin botanique de la faculté centrale d'Alger. Auparavant aussi, par exemple, pour chaque jardin, il y avait des spécificités à mettre en place, des choix à accomplir. Le choix qui a été mis en place à l'École nationale supérieure agronomie, c'est de faire adapter certaines variétés, certaines espèces d'agrumes, certaines espèces productives d'arboriculture, mais aussi certaines espèces sylvicoles, des espèces productives, notamment certains chênes. Au niveau de l'école, au niveau de son carré botanique, nous avons une allée de chêne liège, qui est une espèce particulièrement méditerranéenne, une espèce algérienne qui existe dans 8 pays du monde entier. Je vous conseille un peu les vertus. Vous voyez un peu ce sujet qui est majestueux, qui a un diamètre d'environ 80 à 90 cm. C'est un arbre
qui est utilisable aujourd'hui pour la récolte de liège en Algérie. Et nous arrivons quand même à avoir ce genre de collection encore chez nous pour mieux expliquer aux étudiants un peu l'importance de ces essences naturelles qui poussent chez nous et qui ont une plus-value économique certaine, notamment le liège. On peut par exemple prendre l'exemple des allées des Washingtonia qui a été mise en place au même titre que l'allée des Washingtonia au Jardin d'essai. Vous avez donc des sujets qui sont centenaires, comme ceux aussi du Jardin d'essai. Vous avez les deux espèces qui sont la Washingtonia filifera qui a un tronc relativement plus large que l'espèce Robusta, encore plus bas. C'est une allée qui fait environ 500 mètres et vous pouvez voir un peu la beauté de mettre en place l'alignement voilà, en respectant un peu le style des jardins français. Hein. Nous sommes aussi face à une autre espèce qui est le frêne. Le frêne excelsior, c'est une espèce aussi qui a été introduite dans certaines villes algériennes. Nous avons aussi un spécimen qui a facilement 100 ans, qui est centenaire aussi. Vous pouvez voir aussi la beauté de cet arbre qui donne de l'ombre. L'espèce est très utilisable, très convoitée pour son bois, qui reste un excellent bois. Et c'est une espèce aussi à promouvoir chez nous. C'est-à-dire même si l'on veut introduire aujourd'hui certaines espèces, nous pouvons faire des choix, de choisir certaines espèces qui ont déjà montré leur adaptation au biotope et au climat de notre région écologique et ainsi pouvoir les mettre en place dans l'arboriculture. Toujours dans la même thématique de parler d'arbres centenaires, notamment les espèces autochtones et natives de chez nous, nous pouvons voir derrière moi les deux individus de l'espèce du pin pignon. Vous pouvez voir quand même que ce sont des arbres qui sont immenses, qui ont une circonférence très intéressante aussi. C'est un arbre qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'épine, très recherchée cette espèce pour ses fruits qui sont très comestibles et qui sont aujourd'hui très convoités dans le monde entier par rapport au prix. C'est ce que nous envisageons faire aussi dans le barrage vert. C'est une espèce aussi qui donne beaucoup de réflexions aujourd'hui dans le développement de l'arbre et son utilité pour la société rurale et la société et le domaine secteur socio-économique. En plus des espèces autochtones natives d'Algérie, nous avons aussi même à l'école certaines espèces qui sont exotiques, comme à l'exemple de Dracaena draco, l'arbre au son du dragon. Cette collection existe en allée dans le jardin botanique d'Alger, d'Alhama. Et nous avons aussi deux spécimens parallèles en symétrie, deux spécimens symétriques qui sont ici même à l'école. L'espèce aujourd'hui retrouve une difficulté à se multiplier dans son aire naturelle, les îles Canaries, et vous pouvez voir, constater de vos propres yeux que l'espèce est parfaitement adaptée. C'est aussi une espèce de collection qui a été introduite au même titre que toutes les autres espèces exotiques qui ornent cette école. L'histoire des végétaux est un monde sans fin qui nous surprendra toujours. Et nous apprenons à quel point ces êtres vivants peuvent être forts et fragiles à la fois, ainsi que la lourde responsabilité qu'a l'humanité dans la sauvegarde et la protection de la vie sur Terre. Et voilà, c'était donc un reportage de Maliye Moussaïd qui nous a pris en visite guidée au niveau de l'Institut National d'Agronomie, place à la culture, place au développement personnel, place au développement, à la gestion d'entreprise. Et cette fois-ci, donc, nous allons en parler en compagnie d'un entrepreneur. Il s'agit de Brahim Borab. Bonjour. Marhaba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et je vous remercie par rapport à votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je suis très ravi de retrouver les plateaux de Calingérie. Marhaba bik à tout moment. Alors justement, Brahim Borab, vous êtes, on va dire, investisseur, mais vraiment dans un domaine très proche, on va dire, de la société, très proche de la jeunesse qui veut investir, n'est-ce pas ? Effectivement. Alors tout d'abord, je me présente. Alors je m'appelle Bougra Brahim, je suis formateur et consultant dans le domaine du management des entreprises et aussi fondateur d'un projet qui s'appelle DZ Déclic. Alors je vais parler à propos. Alors DZ Déclic, avant tout, c'est une nouvelle optique dans le team building et dans la formation interpersonnelle, où on est plutôt centré dans le partage d'expériences et le partage d'idées, et surtout de développement personnel. On commence par une constatation et on termine par un développement personnel qui se fait justement petit à petit. On a développé pas mal de programmes ces derniers mois, notamment dans l'accompagnement des entreprises et des startups, et surtout par rapport aux porteurs de projets. Le plus important, c'est qu'on l'a développé avec un partenaire à nous, c'est Comet Coworking Space justement, qui nous a sollicité pour travailler, pour retracer aussi ce programme
de formation et ce programme d'accélération aux entreprises. Alors, ce programme de formation d'accélération aux entreprises est destiné, donc on comprend, aux entreprises, mais est-ce que à toutes les entreprises ou à une catégorie particulière d'entreprises ? Alors, quand on parle d'entreprise, on parle d'entrepreneurs et on parle de start-up. Et surtout, on parle de ceux qui ont la volonté de créer leur propre entreprise, mais ils n'ont pas forcément les bons outils. Donc, quand ils vont chez nous, au niveau de DZ Déclic, qui est justement incubé au niveau du Comet Coworking Space, on leur accorde de l'assistance personnalisée, adaptée à leurs besoins. Et là, à un moment donné, en fonction de leur aspiration, hein, en fonction de leur objectif smart, on développe une stratégie de formation par rapport à eux. Je développe. On a fait un projet qui concerne justement l'auto-formation et on a monté en compétences plus de 100 cadres. Répartis dans des clubs scientifiques et répartis aussi dans des entrepreneurs, des freelancers et aussi des porteurs de projets. Et c'était en fait l'objet de notre programme de formation qui a été initié le mois de juillet et d'août. Et on l'appelait We Grew Up This Summer. C'était en fait un programme d'excellence qui concernait des workshops, des afterwork avec justement des entrepreneurs qu'on les sollicitait, qui venaient, qui partageaient leur propre expérience. Et là, à un moment donné, c'est un suivi par rapport aux porteurs de projets, parce que c'était en fait notre raison d'être. Après, juste après, on a fait aussi des événements concernant l'auto-formation, mais aussi le team building, où on a développé aussi un projet qui s'appelle The Way to Do More, qui est justement une collaboration avec toujours Comet Coworking Space. Pour parler à propos du programme, il faut aussi parler à propos du partenaire. Alors, par rapport à notre partenaire qui est justement Comet Coworking Space, c'est un coworking space qui se trouve au niveau de Bab Hassan, ou qui est spécialisé dans la domiciliation, dans aussi l'incubation et aussi le coworking. Donc, c'est une nouvelle optique dans le développement entrepreneurial. L'idée, c'est quoi en fait ? C'est quand on est réunis, on est dans le brainstorming, on est dans le partage d'idées et on est constamment en échange. Et là, vous allez avoir tendance à rencontrer entre des entrepreneurs, des porteurs de projets, des freelancers, aussi des étudiants. Et cette bulle chez Comet Coworking Space, c'est justement notre point fort. Donc, juste après, on a développé aussi un projet. Ça développe un petit peu le partage d'expériences. Effectivement. N'est-ce pas ? De connaissances aussi en matière d'entreprendre déjà ? Beaucoup de connaissances sur notamment nos échecs. On parle aussi de nos échecs. Nous, comme étant entrepreneurs, il ne faut pas avoir juste la belle façade d'un entrepreneur. On dit bien que l'échec est un diplôme, n'est-ce pas ? Effectivement. C'est en fait un passage obligé. Et c'est pour ça que quand on fait notre partage d'expériences, on passe le cap de l'envie d'entreprendre. Et c'est ça vraiment le déclic chez nous à DZ Déclic, là où le nom de DZ Déclic s'est fut développé. Donc, par rapport à certains de nos projets, on a fait aussi des galeries d'art. On a fait. Alors, avant de passer à la galerie d'art, si vous permettez, on va rester un petit peu dans l'esprit d'entreprendre. Oui. Donc, dans votre parcours justement d'accompagnement, vous ne faites pas ça juste à Alger. Il y a eu des caravanes qui ont été organisées justement pour donner un petit peu l'équité de chance, on va dire, l'équité ou l'accessibilité à l'information et l'accessibilité un peu à tous ces outils d'entreprendre, n'est-ce pas ? C'est justement une vision lointaine, Inch'Allah. Là où on est en train de développer pas mal de partenaires avec des clubs et des associations un peu partout. L'idée en fait c'est de restaurer cet état d'esprit. Alors quand on parle d'entreprendre, c'est aussi s'engager dans une route où on est toujours en train de se remettre en cause. Et là à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans le déclic. Et vous savez, quand on parle d'un déclic, chacun a son propre déclic. Peut-être que ça pourra être un problème à résoudre, ça pourra être une opportunité à saisir et ça pourra même être une opportunité dans son genre et dans sa forme. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer toujours des partenaires dans ce genre. Voilà, nous sommes en train justement de découvrir une vidéo. Voilà, ça c'était justement le programme. De vos travaux. Ouais, voilà, de vos travaux, de ce que vous proposez d'ailleurs comme accompagnement, comme service d'accompagnement. Effectivement. Voilà. Et bien entendu, j'imagine que c'est une offre qui intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, l'idée d'entreprendre n'est plus aussi lointaine qu'auparavant. Aujourd'hui, un étudiant peut entreprendre. C'est-à-dire aujourd'hui, l'écosystème
permet finalement un entrepreneuriat très facile et à un âge aujourd'hui, on n'a plus besoin de terminer ses études, d'avoir son diplôme pour pouvoir entreprendre aujourd'hui. C'est justement la nouvelle optique dans l'entrepreneuriat social, parce que si on va être axé sur le développement personnel de chaque individu dans la promotion de son propre œuvre, de son propre talent, là on pourra partir sur beaucoup de choses à la fois. On pourra même promouvoir un esprit entrepreneurial sain. D'ailleurs, on a fait aussi une action par rapport aux jeunes bacheliers qui sont en préparation par rapport à leur bac. C'était hier et avant-hier, on a organisé justement une table ronde et une sorte de meeting after work où on a parlé à propos de leur objectif SMART. Et là, on met en œuvre justement l'orientation après le bac. Mmh. Et l'idée en fait de ce after work, c'était en fait de se projeter. Ça commence justement par avoir le bac, mais il y a une suite logique, c'est qu'il faut aussi planifier sa réussite. Mmh. C'était d'ailleurs l'optique qu'on a réalisée avec des lycéens de Bab Hessen, aussi de Douira et aussi de Cheraga qui sont venus au niveau du Comet Coworking Space et on a discuté, on a aussi donné des solutions à leurs problèmes et c'est parti aussi, ça fait partie aussi de notre valeur. Nous, chez nous, c'est important d'incuber, d'accélérer, mais aussi d'accompagner, mais surtout d'identifier les axes stratégiques du développement personnel de n'importe quel individu. Alors, la rencontre avec les bacheliers ou les futurs bacheliers, Inch'Allah, ceux qui se préparent pour le bac est très intéressante dans le sens où ils sont encore jeunes, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a une maturité très précoce chez les jeunes, n'est-ce pas? Particulièrement avec l'idée d'entreprendre, particulièrement avec l'idée de gagner très vite de l'argent, de devenir très riche, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, on le voit sur les réseaux sociaux, à travers les citations, à travers un petit peu tout ce qui est énergie positive, etc. Quelle a été un peu leur réaction? Est-ce que vous avez quand même pu ressentir chez eux cet objectif, la culture elle-même de l'objectif et la culture elle-même de la vision? Alors, en dépit de ce team building qu'on a fait hier et avant-hier, j'ai ressenti trois choses. J'ai ressenti une détermination de leur part. J'ai senti une certaine raison d'être qui est en train de se développer, mais qui est un peu désorientée, parce qu'il leur faut aussi une orientation. Et j'ai senti en fait une motivation de leur part d'aller affronter les choses là au-delà de l'entrepreneuriat. Et c'était en fait une raison pour laquelle on va développer pas mal de projets ensemble avec. D'ailleurs, on a aussi un programme qui s'appelle Comet for Fun. C'est en fait destiné par rapport aux lycéens, par rapport aux entrepreneurs et même aux étudiants. C'est que toute la semaine, on travaille, mais là, c'est un week-end. Donc, le week-end, on fait quoi? C'est un loisir. Et là, on propose des parties de jeux de société. Il y a même une partie cinémathèque. Il y a même aussi du team building, du after work. C'est en fait le développement d'un nouveau état d'esprit qui est en train de se faire petit à petit. Et le plus important, c'est qu'on essaie vraiment de les gâter en good vibes. Parce que ça, le plus important, c'est ça. Dans le cas où une personne est un peu désorientée, elle ne connaît pas forcément sa mission, ni ses valeurs, ni ses objectifs SMART, ben, nous, on pourra être la vraie destination. Parce qu'on commence par l'identification de cette raison d'être et jusqu'au l'identification des axes stratégiques et des objectifs SMART. Alors, toujours dans l'optique de votre travail, dans la continuité de votre travail, là, vous êtes dans un projet plutôt culturel, artistique, cette fois-ci, puisque dernièrement, vous avez lancé une galerie d'art. Effectivement. Alors, on a lancé deux galeries d'art. La première, c'était le 24 septembre, et la dernière, justement, elle est plus récente. C'était, par contre, sous le thème de Octobre en Rose. Et là, on a rassemblé pas mal d'artistes qui œuvraient dans la galerie d'art, mais qui parlait d'une thématique assez noble, c'est à savoir le Octobre en Rose, où on a même invité des médecins qui parlaient à propos des campagnes de dépistage, où on a eu aussi et on a reçu. Rejoindre l'utile à l'agréable finalement. Bien sûr, c'est des deux actions complémentaires. Et la sensibilisation par la même occasion. C'est en fait l'engagement de l'artiste aussi qui est plus important, parce qu'en fait on a reçu aussi des artistes comme par exemple Hassiba Abdraouf, que je la salue au passage. Elle est venue chez nous pour parler à propos de cela et elle nous a vraiment soutenus par rapport à notre cause assez noble.
Et c'était en fait un déclic pour nous parce que c'est important de parler à propos de la maladie, c'est important de parler à propos de la sensibilisation et c'est important surtout d'entreprendre dans ce domaine. Voilà, parce que la santé, c'est aussi intéressant. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine préventive, on parle beaucoup de prévention et donc tous les outils sont là. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de répondre à notre invitation. On vous souhaite une très très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Donc, Brahim Borara, je rappelle, vous êtes porteur de projet, vous êtes directeur, c'est ça, de Déclic DZ? Alors, je suis le fondateur de DZ Déclic et je suis aussi le project manager de Comet Coworking Space. Ah ben voilà, en tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons rester dans le domaine de la passion, dans le domaine de la nature, du jardinage, puisque Faria Alhamdi a rencontré une grande passionnée de plantes, de jardinage, et elle revient avec ce portrait que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Les plantes d'intérieur sont l'une des grandes tendances du moment. Mariam, retraitée passionnée et amoureuse de la nature, adore s'occuper de ces plantes. Elle en a plus d'une centaine. Ça remonte à ma tendre enfance. Moi, je suis, tout comme mon père, Layahmo, une vraie fillaha. J'aime beaucoup toucher la terre. Et ma passion pour les plantes n'a pas de limite, vraiment. Là, je suis en train de remplanter une plante. Là, vous avez plusieurs plantes. Donc, je prends la plante, le pot, le plastique, pour la rempoter dans un autre pot en terre. Et je mélange le substrat, bien sûr. Donc, il y a un mélange de terreau avec de la fibre et la perlite. Je mélange aussi, il y a un autre substrat technique que je mélange avec le terreau. Et je rempote carrément ma plante. La quantité, mais surtout la qualité. Mriem a recentré sa collection sur les plantes rares. Arrosage, dépoussiérage, le soin des plantes lui apporte beaucoup de bien-être. Une passion qu'elle partage sur son compte Mriem Botanista Plante. Conseil, dernière bouture, dernière acquisition. Dès que je me lève le matin déjà, je fais un petit tour au jardin. Je vois ce qui me manque, les plantes, j'arrose, je rempote, je soigne les plantes, j'essaye un petit peu de multiplier aussi les plantes, de faire des boutures pour les amis, pour l'entourage. J'ai toujours quelque chose à faire au jardin, je ne me lasse pas, ça, sincèrement je ne me lasse pas. À l'étranger, il y a les jardins partagés. Il y a les habitants eux-mêmes qui font des jardins potagers et ils se partagent les récoltes. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Donc moi, c'est ça que je veux développer. J'aimerais que les gens ils commencent quand même à aimer ça et à prendre ça vraiment au sérieux. Quand je vois les pouvoirs publics, c'est vrai qu'à Alain Chauffaut, il y a des jardins qui marquent la rôle magnifique. Il y a dans chaque, par exemple, les autoroutes, chaque rond-point ou là, c'est vrai qu'il y a des espaces verts qui sont aménagés, qui sont magnifiques. Mais il reste beaucoup à faire. Et nous, en tant que citoyens, c'est un A, c'est l'autre, c'est le voisin, c'est le parent ou là. Nous, petit à petit, chacun de nous, commence à fleurir devant sa porte. Les citoyens, par exemple, les immeubles tahom, ils commencent à fleurir le coin tahom, les ruelles, les jardins. Je pense que ce serait la plus belle chose. Et je pense qu'on va y arriver parce que il y a quelques années, on ne voyait pas des espaces verts. Les aménagements dans les espaces verts, il n'y avait pas. C'est vrai que ça commence timidement, mais je pense qu'on va y aller. Voilà. Plusieurs de ces plantes ont maintenant atteint une taille imposante et en a à leur tour généré des bébés qui assurent la prochaine génération. Ce cycle est hautement satisfaisant. Certaines jeunes pousses sont replantées,
D'autres sont mises en vente, ce qui permet de financer de futurs achats. Cette passion s'auto-nourrit. Au début, c'est vrai que les gens étaient un petit peu étonnés de voir qu'est-ce qu'elle fait cette dame avec ses pots. Mais petit à petit, les gens ont commencé à adhérer. Commencer à préparer des plantes dans des pots personnalisés. Donc, ce n'est pas des plantes qui m'envoient dans les pépinières, dans des pots en plastique. Là. Moi, c'est des pots vraiment personnalisés. C'est des pots en terre que j'ai donné à une artiste qui me faisait de la peinture sur les pots. Donc, même, je préparais les plantes. Je l'ai préparé dans un substrat spécial. Ce n'est pas de la terre de jardin, c'est un substrat avec du terreau, avec de la perlite, avec de la fibre de coco. Et bon, moi, ce que j'avais constaté lors de mes participations à des expositions, la majorité des gens, c'est vrai, il y a certains qui sont intéressés à les plantes, mais je n'ai pas la main verte. Donc petit à petit, j'ai essayé un petit peu de diversifier. Je préparais des plantes pour les gens qui ont la main verte, et des plantes pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des plantes. Et même, il y avait je préparais des plantes aussi pour les collectionneurs aussi. Profiter de son jardin est une excellente activité. Lorsqu'on est retraité, c'est en effet une occupation idéale pour meubler son temps libre, mais également pour se divertir. Laissez parler sa créativité, car il est reconnu que le jardinage est pourvu de nombreux bénéfices pour la santé. Et c'était donc un portrait d'une très grande passionnée de fleurs, de plantes, de jardinage. Et c'est Feria Alhamdi qui l'a rencontrée pour nous. Et c'est avec des fleurs que nous avons été gâtés ce matin par notre invité. Monsieur Farid Khodja, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, on est très content de vous recevoir déjà. Et moi donc? Merci beaucoup pour ces magnifiques fleurs mais de votre jardin. C'est peu de choses, Nord, c'est peu de choses. Mais si, mais vous savez que le plus beau cadeau, c'est les fleurs. Oui, je confirme, ouais, oui, je confirme. N'est-ce pas? Confirme. En plus, elles ont une valeur un peu plus importante, on va dire, parce qu'elles viennent de votre jardin. Voilà, tout à fait, elles viennent de mon jardin et elles ont été cueillies ce matin avec amour. Alors là, il y a Amel qui vient de me faire une petite confidence que si elle a besoin d'avoir des informations par rapport aux plantes, elle fait appel à vous. Elle fait appel à moi, mais avec ma modeste connaissance des plantes, j'essaye de satisfaire sa curiosité autant que faire se peut. Parce que la dernière fois, on s'était fait un petit concours avec à qui trouverait le nom d'une plante, mais je n'y suis pas arrivé. Donc, sachant que Amel, elle est spécialiste aussi en agronomie. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, mais c'était une colle pour moi de ne pas avoir trouvé justement le nom de cette plante dont la maman ou la grand-mère avait pour laquelle elle avait une prédilection. Oui. Donc moi j'avais opté pour le sambac, c'est-à-dire pour Elfel, donc pour le jasmin d'Arabie. Puis non c'est pas ça, puis après c'est lies, après donc et finalement vous avez trouvé? Non pas encore. Amel, donc, vous avez trouvé? Je sais pas si Amel elle a trouvé. Je ne sais pas encore, donc on n'a pas parlé alors de ça même, depuis. Alors même Amel de son côté elle a pas trouvé. Donc Marie Moussaïd, si tu nous écoute, c'est à toi qu'on va faire appel la prochaine fois. Marie Moussaïd, c'est la spécialiste maison de tout ce qui est coin vert. Vous avez évoqué le fil, n'est-ce pas? Vous me disiez pendant que le portrait de Feria Alhamdi passait que le fil a une présence très particulière dans la vie de votre grand-mère. Dans la vie de ma grand-mère et puis aussi dans la vie des citadins blidéens, bien entendu. C'est une plante je dirais fondamentale dans le patio, pour ceux qui n'ont pas de jardin, donc c'est un pot qu'il faut avoir avec, bien sûr, à côté le jasmin. Oui. Et donc, le sambac, donc, il a une âme, je dirais, il a une âme assez sensible, donc qui craint le soleil, qui craint la chaleur, et il n'aime pas qu'on le bouge de son endroit, si vous voulez. Donc il faut qu'on le bichonne, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on lui chante. Voilà. Et ma grand-mère donc avait une prédilection, elle avait une passion pour les fleurs et notamment pour les jasmins et le jasmin d'Arabie qu'on appelle communément le sambac. Et chaque fois qu'elle se levait aux aurores, en première lueur de l'aube, comme toutes nos grand-mères, la Hammam, voilà. Et donc le premier geste, premier réflexe, c'est d'aller
cueillir fraîchement ces fleurs de jasmin ou de sainbac et les mettre soit dans un sucrier, soit dans un, un petit collier, voilà, avant de préparer même le café. Et, cette association d'odeurs d'arômes de café et de jasmin embaumait donc le patio et entrait même dans les chambres là où nous on dormait à cette heure-ci. Donc, c'est vrai qu'on dort à cette heure-ci, mais à cette heure-ci, les odeurs sont très prenantes. Très prenantes. Maintenant, le café, donc on en prend. Moi, je suis vraiment très fanat de café, mais je ne retrouve plus ces arômes d'antan. Oui. Voilà. Et donc à la suite du, après le décès de ma grand-mère, ben, elle fait le mettre. Donc, de chagrin, parce que ça reste quand même des êtres fait, vivants. Tout à fait, des voilà. Et... Alors justement, M. Fallet Rouja, toutes ces belles odeurs et ce beau jardin, c'est ce qui a fait aujourd'hui de vous l'artiste que vous faites, que vous êtes. Écoutez, je pense que quand on est imprégné de ce patrimoine immatériel, on ne peut qu'être sensible à d'autres choses. Effectivement. Donc, à d'autres choses et ça ouvre grand le champ des possibles, notamment dans le cadre donc des goûts qui vont être beaucoup plus éclectiques. Oui. Voilà. Donc c'est très important cette éducation que l'on peut avoir de nos grands-mères, de nos grands-pères, et c'est ce qui nous force, c'est ce qui nous fait, ce qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Effectivement, donc, et d'ailleurs, c'est ce que vous faites à travers votre travail, vous véhiculez, vous participez à la, j'ai envie de dire, à la préservation de ce patrimoine, notamment le patrimoine musical, n'est-ce pas, puisqu'aujourd'hui, vous venez, Fallet Rouja, avec une actualité culturelle, musicale. Oui, une actualité après une torpeur, je dirais, qui a duré quelques années, donc le retour du festival de Arobi et donc à Blida, parce qu'il faut savoir que Blida, quand même, qui est un terroir d'exception en matière de musique classique et de genres voisins, notamment le Arobi, et le Haouzi, donc revient avec cette nouvelle édition. Justement, Fallet Rouja, on a un petit peu tendance à confondre entre le Bedoui et l'Arobi. C'est quoi la différence? Écoutez, l'Arobi est pour Blida et le Fars et Alger notamment, et ce qui est le Haouzi pour Tlemcen. Donc ce sont des genres voisins de la musique arabo-andalouse, donc dite musique classique algérienne, d'expression plutôt populaire. Donc les poètes sont issus de cet environnement et ils en parlent. Ils sont enfants de cet environnement et ils y évoluent et s'expriment à travers de très très jolis poèmes à chanter et ce qu'on appelle le Arobi. Bon, le Arobi n'est pas aussi lointain que la musique arabo-andalouse, on peut le situer vers le 16e, 17e, 18e, voire 19e siècle, et les auteurs de ces belles qasidas sont tous issus de cet environnement, de cette mitidja nourricière, et ils reproduisent et ils expriment donc leur attachement pour cette terre, pour ce terroir d'exception à travers ces belles qasidas et qu'on chante jusqu'à maintenant. Et l'auteur, l'interprète le plus connu justement de ce registre musical est Al-Hajj Mahfoud, le mari de Baya, la peintre. Donc c'est lui qui a donné toute cette dimension culturelle et civilisationnelle justement à ce terroir musical et qui a su également le vulgariser. C'est très important. D'ailleurs, à Tlemcen, on chante également le Arobi, comme nous à Blida, on chante le Haouzi. Vous allez à Constantine, à Annaba, à Skikda, ou à Amstranum, on chante également du Arobi. Donc le Arobi, il faudrait qu'on définisse, qu'on trouve une définition de ce registre de musique. Certains disent, bon, c'est vrai que le Arobi est un genre d'expression populaire, donc de la mitidja, donc issu directement de la musique andalouse. D'ailleurs, on retrouve les mêmes thématiques, l'amour, la nature, etc., les mêmes mouvements, l'insraf, mkhilas, etc. Mais il faudra aussi également penser à lui donner un peu plus de largesse, un peu plus de dimension, puisque Al-Hajj Mahfoud, par exemple, ou Dahman Ben Achour, quand il chante le Haouzi, il chante à la manière arabe, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte arabe, c'est un texte Haouzi, d'accord ?
donc ce qui est en dehors de la musique andalouse à Tlemcen, bien entendu, extramuros. Et donc, il donne à ces textes haouzi une dimension arabe, c'est-à-dire dans la manière de le chanter. Par exemple, on a une pièce d'anthologie de Ben Saïb, Aït Men Dhammam. Par exemple, c'est une pièce d'anthologie haouzi que Hajj al-Mahfouz, donc élève de direct de Cheikh Hayyam Nabteh Hajj al-Mahdi, donc donner une encaustique beaucoup plus blidéenne et qui s'éloigne un petit peu du haouzi. Par exemple, si il dit Aït man dhammam fadani dhammam ya hammam, là ça c'est un mouvement plutôt arabe, on est dans le mkhilas. D'accord. Alors que le haouzi, quand on le chante dans sa version haouzi, voilà, vous voyez, donc c'est différent. Donc il faudra également que les musicologues qui se pensent sur ce problème de redéfinition donc de ce genre puissent lui donner également cette dimension, ou peut-être bien que Arobi n'est en fait qu'une déformation phonétique de quatrain. Rubai, parce qu'on retrouve justement les trois vers, et puis après on a le matla qui est le quatrième vers. Ou sinon, on pourrait éventuellement aller un peu plus loin, puisque à Constantine l'Arobi, c'est le bitosia, c'est-à-dire on a quatre vers chantés et deux vers préludes, c'est-à-dire un estirbar. Et on change de mode. Donc c'est vraiment très large, et moi je suis partant pour que l'on puisse un jour trouver une définition qui réconcilierait toutes les tendances et puis toutes les versions qui sont données voilà. Par rapport aux mélomanes aussi. Oui, voilà, tout à fait, pour qu'ils s'y retrouvent quand même. Pour pouvoir s'y retrouver. Alors justement, Fallait trop dire, vous nous avez fait écouter un petit peu de votre voix. Un tout petit peu. C'est avec plaisir. Mais là, on a justement un extrait de vous lorsque vous êtes passé dans l'une des émissions de Canal Algérie, à savoir Kahwa Blatay. Ouais. Voilà, donc on va écouter l'extrait. Avec plaisir. Après, allez, on va écouter un peu Fallait trop dire qui est passé dans l'émission Kahwa Blatay. On se retrouve juste après. وشبون مليحون تخضع له الركايب عاقبني هواه وكوى قلبي كيا عاقبني هواه وقلبي كي طالله ما ننساه ما هنوالي والله ما ننساه ما دمني في الدنيا والله ما ننساه ما هنوالي عمري ما ننساه ما دمني في الدنيا. Très classe, c'est justement parce que, comme vous le dites si bien, elle est savante. Alors la bonne nouvelle, c'est le retour donc du festival. Non, oui. Alors, ce sera pour bientôt ? C'est pour du 22 au 25. Donc, il ne durera que 4 jours pour les mélomanes donc, de ce genre musical. Et puis aussi, pour nous, fait de se produire donc, dans cette ville, c'est quand même quelque chose. Hein, donc, et pouvoir choisir. Et puis, on vous attend, j'imagine. Fallait trop dire, les voisins, les gens qui vous attendent, qui vous connaissent, qui sont de votre quartier, on vous pose la question. Moi, je croise assez souvent mes fans, les gens, ils sont assoiffés même après 2 ans de Covid, donc, après 2 ans d'éloignement de tout ce qui était lié donc, à l'amusement. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps qu'on y revienne en force pour pouvoir
donner à ces gens ce qu'ils recherchent pour pouvoir continuer à vivre. Hein. Surtout, c'est important. Mais surtout, il faut dire, que la musique classique algérienne, d'une manière générale, donc, que ce soit le Haouzi, ou que ce soit l'Aroubi ou le Bedoui, ce sont vraiment des musiques qui se sont ancrées dans notre culture. Et ça reste quand même des musiques qui s'inscrivent dans le temps aussi. Ce sont des musiques qui ont gardé leur cachet, qui ont gardé leur originalité et qui n'ont pas été déformées avec le temps. Donc, la conservation, la préservation, oui, c'est grâce à nos chiots, grâce aux associations qui continuent à militer pour la sauvegarde. Nous, les interprètes, nous ne faisons que dans la promotion de cet art. Mais le véritable travail de sauvegarde, de préservation est fait par les associations qui sont nombreuses à travers le pays et qui militent pour que cette musique continue à vivre et continue à bercer les gens, les nouvelles générations. C'est important parce qu'elle fait partie de notre identité. C'est un élément important de notre identité et elle fait ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, c'est vrai parce que c'est une musique racée. C'est une musique qui nous vient de très très loin. Si elle a pu traverser tous ces siècles, c'est qu'elle est racée, qu'elle est savante. Et donc, notre travail, c'est de la préserver. Préserver, bien sûr, la préserver par la promotion, préserver par les écoles qui continuent donc à enseigner cette musique, mais surtout ne pas l'altérer. Bon, il y a des tentatives ici et là de donner de la plus moderniser, de mais c'est pas grave, mais c'est pas grave tant qu'il y a des écoles, tant qu'il y a des gens qui sont soucieux, qui sont amoureux, passionnés par cette musique, donc ils continuent à la transmettre telle qu'elle avait été pratiquée dans les écoles, parce que nous sommes issus tous des écoles de musique andalouse, donc c'est quand même quelque part une sorte de contrat moral avec Choyo. N'est-ce pas, qui nous ont transmis cette musique, et donc il est de notre devoir de continuer à la transmettre telle qu'elle nous avait été transmise. Et justement, tout ce qui est festival et tout ce qui est toutes ces occasions, c'est aussi un moyen de la promouvoir, c'est aussi un moyen de la préserver aussi, de la conserver, de la préserver. Donc pour ce qui est du 22 au 24, vous avez du 22 au 24, à la salle des conférences de Blida. Nous n'avons pas d'autres. Le programme ne m'a pas été encore, mais pas encore à communiquer. Mais de toutes les manières, il y aura des écoles qui vont se produire sur scène, donc sur la scène de la salle des conférences de Blida. C'est le seul lieu où l'on continue. A donné des concerts. Bon, et puis aussi, il y aura des chanteurs issus de l'école blidéenne et d'autres écoles d'Algérie. Voilà. Certainement. De toute façon, vous avez investi aussi les espaces de Blida, les espaces en plein air de Blida. Ben écoutez, oui, mais j'essaie parce que je pense que le propre de l'artiste, c'est de dire que lorsque les choses ne font pas bien. Si le méloman ne vient pas à la salle, ne vient pas voir la musique en salle, c'est la musique qui va partir. Qui va partir dans les esplanades, dans la rue. Bien sûr. Bon, il faut bien qu'on aille à ceux qui ne veulent pas venir, qui rechignent. Parce que c'est par ils mésestiment un petit peu cette musique ou ils ne la connaissent pas. On a tendance à ne pas la connaître et lui coller cette étiquette de musique soporifique, de musique insomnifère, donc élitiste, bourgeoise, etc. Mais non, mais c'est pas ça. Cette musique est, elle a été sortie par Zeliev des palais et donc c'est le peuple, c'est la populace qui l'a après. Qui a fait sienne cette musique. Donc, c'est une musique populaire, bien sûr, parce que les textes qui sont chantés sont dans l'arabe, dans le djel populaire de l'époque, et donc cette musique est la nôtre. Et il est de notre devoir que tout un chacun puisse se l'approprier et dire que cette musique est mienne et il faut que je la préserve. Moi, je la préserve par la promotion et eux, ils la préservent en assistant au cancer. Voilà, effectivement. Quel meilleur gage. Voilà, effectivement. Finalement, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité de tout le monde. Un petit peu de tous. Donc, rendez-vous pris entre le 22 et le 24 à la salle des conférences de Blida. En tout cas, merci beaucoup, Fadi, merci à vous. Parmi nous. Merci beaucoup pour les choses, encore une fois. Il y a une petite surprise à l'intérieur. Oui, il y a un lit de châtaigne et c'est la période. C'est la période des châtaignes. Les fruits d'automne. Voilà. Ouh là là. Bon, et il y a de la citronnelle. Bon, ça sent bon.
Voilà, il a un nid de châtaigne. Voilà, je tenais quand même à le montrer. Hein. Elles sont magnifiques, elles sont tout comme vous. Ouais, bah, c'est gentil, merci à vous. En tout cas, merci pour les fleurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, beau succès encore une fois pour le festival. Et bien alors, voyons, Inch'Allah. Inch'Allah, ce sera avec un très grand plaisir. Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis, je vous souhaite une très agréable journée à tous. Radia Boulmahali sera en votre compagnie demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain, Inch'Allah. Bonne semaine à tous, au revoir. يبدر الدماج من هواك الجسم عدم وغرامك نحجب عضو عياني به الصايم يستروم